Salut Max. Ça va? Bien et toi? Fait longtemps? Ouais ouais. Putain. Mais comment? Une reprise, j'espère que je vais pas me plaquer. Sur un biscuit. Moi aussi j'avais bien invité, j'étais déjà venu avec lui, je me souviens. J'ai déjà fait une émission ensemble. La voix un peu cassée. Et c'est, en fait, là, ça va, ça revient. Mais hier, on s'est vu hier soir. T'es revenu à des gamins, tu sais. J'avais la voix d'un gamin, mais tu l'entends encore un petit peu. Mais hier, c'était. Catastrophe. Ouais. Barry White. Là, il nous a fait le mettre dans les buts. Ok. Tu la compo? Si tu l'as, regarde. La compo du Racing. Qui c'est qui joue? Tu l'as où? Non, le gardien de. Le maître. Hein. Ah, c'est lui. Catastrophe. Ah, ouais, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais avant le dernier moment. On se un petit peu de pression. Hein. Ah, bah, t'aimes bien. Ouais, grave. Sur YouTube, ça fonctionne pas sur YouTube. Allez, bonne émission. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Club 1906 du lundi soir. Avis de tempête sur l'Alsace, mais le Racing a mis la tempête sur la pelouse du stade de la Méno pour s'imposer face au stade de Reims, 3-0. Le direct, plus d'une heure pour parler du Racing Club de Strasbourg avec une belle équipe ce soir en remplacement de Jackie Duguay-Pérou qui n'est pas là exceptionnellement. Ce sera Jonathan Lemling, bonsoir. Bonsoir Maxime, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Mieux que ta voix. Mieux que ma voix, effectivement, qui est aussi en week-end. Elle est partie, ouais. Qui est partie en week-end. Cher avec, t'es parti avec Reims, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. À côté, il fait son retour. Maxime Brenner, bonsoir. Salut Maxime. Comment vas-tu? Écoute, nickel. C'est vrai que ça fait un petit peu de temps et je reviens pour une victoire, donc c'est parfait. Content de vous retrouver. T'es comme certains joueurs, toi, tu choisis tes matchs. Je choisis mes matchs, j'ai cette chance-là. Putain, c'est incroyable. Merci. Tu aurais Mostovoy. En face. Monsieur Young, qui a quasiment eu le pronostic exact. Allez, quasiment. Bonsoir, Max, monsieur Young. Salut Max, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Très bien. Là, ça brûle champagne, tout va bien. Effectivement, beau jeu de mots. Beau jeu de mots. Mais quasiment, si tu mets 100 balles sur le 4-0 et que c'est un 3-0 qui sort, ça sort pas. Donc c'est pas quasiment, peut-être, parce que j'en connais un, c'est un grand supporter du Racing Club de Strasbourg, Jean-Michel, qui m'a envoyé un message caché. Hein. Il me dit « Ah, j'étais pas loin ». Bah oui, t'étais pas loin. Le Racing était pas loin d'être champion. Non, mais sur le replay, c'est vrai que j'avais dit « Je partais sur 3-0 bah, ». Le pénalty, tu l'avais oublié. Oui, s'il n'y avait pas eu pénalty. Hein. C'est le pénalty oublié pour Reims, en fait. Voilà. Et à côté, il est à peu près à sa 47e heure de suite pour ne pas avoir dormi cette nuit suite à la tempête. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. As-tu dormi aussi peu de temps sur les plages de Koh-Lanta? Ouais, je pense que ça se valait un petit peu, exactement. Il y avait autant de vent. La comparaison est pas mal. Il y avait autant de vent? Non, quand même pas. C'est vrai, pas de... Mais par contre, en nombre de sommeil, je pense que je dormais plus à Koh-Lanta que la nuit dernière. Ouais, vous avez que ça à faire entre les jeux. Ouais, facile à dire. Facile à dire. Si tu t'endors, on fait une petite pause et puis on reprendra. Exactement. Voilà. Facile. Non, j'ai prévenu mon voisin. Ils font Koh-Lanta. Moi, ça fait 30 ans que je suis supporter du Racing. Je pense que j'ai traversé plus de toute façon, que toi. Depuis Koh-Lanta, j'ai pu me plaindre. Donc voilà, dès que je me plains, je me fais. Voilà. Non, mais attends, Koh-Lanta, mais attends. Bah, donc je dis plein. Et je subis. T'as pris 300 000 euros, mec.
Le direct ce soir est à suivre sur Facebook comme d'habitude, sur YouTube peut-être. Non, je crois pas. Apparemment, l'émission n'est pas, malheureusement pas en direct sur YouTube. On verra je crois pas, au cours de la soirée, peut-être que ce sera réactivé. N'hésitez pas à commenter cette émission, à la partager donc sur YouTube. Les sujets du soir, émission réalisée par Lucas Fischer, s'il est prêt en régie, puisque c'est un peu perturbé suite à la tempête, même dans la régie. Avec donc forcément le débrief de ce Racing Reims, 3-0, les top et notes de ce match. Viser l'Europe, et oui, puisque le Racing Club de Strasbourg est 6e et quasiment potentiellement qualifiable pour une Coupe d'Europe en cas de victoire du Paris Saint-Germain sur les deux coupes. On parlera bien sûr du week-end Ligue 1 & Co, un peu partout en France, et puis le quiz, le fameux quiz. Ce sera le premier d'ailleurs de M. Brenner, il me semble, qui n'a pas eu la chance de participer au quiz. C'est parti, messieurs, dames. Vos commentaires, vos réactions. Mohamed, sur cette belle victoire du Racing Club de Strasbourg, je rappelle les buteurs. Djikou, 50e, Waris, 82e. Et Kenny Lala sur pénalty, 83e. La grosse opération, c'est... 13e, pardon. La belle opération du Racing, hein, c'est nous qui l'avons fait ce week-end. Donc on passe à la 6e place. Contre une équipe de Reims qui est toujours compliquée à jouer, on l'a souvent dit, hein, c'est, une équipe, c'est la deuxième meilleure défense du championnat. Donc mettre 3 buts à la deuxième meilleure défense, je dis chapeau, bravo à l'équipe. Bravo à Thierry Loré aussi qui a aligné une équipe assez offensive. Donc en général, il est un peu mesuré sur les choix devant. Et là, il est parti avec 3 attaquants, donc il voulait gagner. Et le résultat est là, donc bravo à lui. C'est de bon augure pour la suite. Sébastien, tu étais au stade également. Également, ouais, avec des amis. Hein. Et puis, on s'attendait. Non, mais je crois qu'il était avec Max. C'est dimanche qu'on est ensemble. On vient de te réveiller, c'est pas grave. Non, mais on savait que Reims, comme je l'avais dit la semaine dernière, on était capable de leur en mettre, nous, des buts. Hein, on en a mis 4 l'année dernière. Et il fallait juste forcer le verrou. Ils ont mis 50 minutes. On l'a forcé, ça s'est un peu plus ouvert. Et puis derrière, on met un deuxième et un troisième. C'était sûr qu'à partir du moment que cette équipe elle allait ouvrir le jeu, qu'on pouvait en mettre 2, 3, voire 4, hein, pourquoi pas. On en a mis 3, c'est déjà pas mal. Et bah, tant mieux, hein, bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Je trouve que le système qu'il a mis en place dès le départ, presser super haut, mettre beaucoup d'attaquants, il les a eus à leur propre jeu. Et ça allait un peu dans les stats, parce que j'avais parlé de la fameuse stat sur les 5 derniers matchs, ils ont quand même pris un but à chaque fois à Reims. Mais en fait, sur 11 matchs, j'ai vu, sur les 11 derniers matchs, ils en ont pris 10 fois des buts. Hein. Donc, c'est peut-être pas si exceptionnel que ça depuis 10 journées, Reims, en défense. Sur les 10 dernières journées, je parle. Monsieur Brenner, votre avis en quelques mots. On reviendra bien sûr en détail sur vos analyses. Ben, comme l'a dit Momo et Seb, ils ont déjà bien résumé, on va dire, le match d'hier. C'est vrai que la bonne opération, c'est pour nous, avec cette 6e place, malgré que ça soit encore serré. Mais voilà, parler de 6e place pour le Racing, voilà, on peut quand même... Pour l'instant, ça savourait. Après la deuxième mi-temps, voilà, ça s'est décanté vraiment. Deuxième période, les 3 buts. Il faut dire ce qui est, c'est que Reims n'était pas forcément très dangereux. On était certes bien en place, un bon bloc, mais j'ai pas forcément trouvé des attaquants très très dangereux, très offensifs. Après, voilà, une belle organisation. En défense, on est resté solide. Milieu de terrain, on a su quand même créer un peu de jeu, malgré quelques déchets à la fin, à l'image un peu de Liénard. Et 3 buts, je trouve que c'est quand même cher payé. Voilà, 1-0, 2-0, ça aurait été peut-être pour moi un peu plus correct, mais voilà, on savoure, on prend ça, 3-0. Deuxième match, on prend pas de but, donc c'est parfait. Après, pourvu que ça dure. Tu mets un troisième parce qu'il y a un pénalty. Hein, ouais, bien sûr. C'est pour ça, surtout. Mmh. Sinon, dans le jeu, peut-être pas sûr que tu le mettes. Ouais, mais on prend. Jonathan, ton analyse. Moi, je suis content parce que Thierry Loré le disait en conférence de presse. Heureusement d'ailleurs qu'il est content. Bien sûr que je suis content. Mec, on est 6e, 24e journée, t'as 36 points, t'as déjà un point de plus que l'année dernière après 24 journées. Loré disait, il a envoyé un petit tac, il a dit qu'il était un peu gavé des gens qui disaient que le Racing était qui était fébrile dans ses décisions. Il rappelait que sur les 20 dernières journées, avec celle-ci incluse, désormais, aucun match nul pour le Racing Club de Strasbourg en championnat. C'est quand même énorme, hein, 20 matchs de suite sans le moindre match nul. Et moi, je préfère largement ça que de voir 5-6 matchs nuls, ou comme Amiens qui fait 2 fois 0-0. Enfin, ça avance pas, tu vois. Là, au moins, tu gagnes, t'es devant, t'es 6e. 6e, c'est le premier tiers du classement. T'es devant des équipes assez prestigieuses telles que Lyon, Saint-Etienne, où t'attendais beaucoup plus haut, Bordeaux. Tu vois, moi, cette équipe, elle me fait kiffer. Et puis, ce que disait Max, c'est très juste, c'est que le pressing était intense. Tu t'attends, heureusement d'ailleurs, mais c'est osé parce que cette équipe, elle attendait que ça, justement, que tu viennes
très haut pour sortir et qu'eux te prennent en contre-attaque. Ça a failli marcher une ou deux fois. Heureusement que devant, c'était quand même assez faible. Mais cette équipe de Reims, tu l'as dit, ils ont pris des buts, mais ils en prennent vraiment très peu. C'est la première fois de la saison où ils prennent 3 buts. C'est la première fois. Mais... Sur 70 matchs en Ligue 1 depuis leur retour, ils ont pris 3 fois 3 buts. Une fois face à Nîmes, une fois face à Nice, et aujourd'hui, et là, ce week-end, face au Racing. Nous, l'année dernière, ils en prennent 4. Hein, ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que en première mi-temps, tu sentais vraiment que c'était un... Enfin, pour moi, hein, c'est un jeu d'échecs. Vraiment, le ouais, jeu d'échecs. C'est ça, ouais. Où c'était assez, parfois, assez brouillon pour Strasbourg, sur des passes. C'était un peu brouillon, parfois. Mais tu sentais que Reims, quand ils avaient le ballon, ça allait vite, et puis qu'ils cherchaient la contre-attaque. Tout à fait. Et puis, ça, au fur et à mesure que ça avançait jusqu'à ce corner-là, la 50e minute, tu sentais que ça devenait de moins en moins brouillon à Strasbourg. C'est vraiment l'impression que moi j'ai eue. Au début, ils ne savaient pas trop est-ce qu'on avance. Et puis, pareil, le pressing, on le sentait de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et dès qu'il y a eu ce but, pour moi, ça s'est vraiment lâché derrière. Mais c'est vrai, alors après, on te dit, oui, il a mis 3 attaquants, patati patata. Le premier but, il a inscrit grâce à un milieu de terrain récupérateur qui est Lénard qui tire le corner. Ça revient à une déviation de Mitrovic, il fait une passe D sur Djikou. Il n'y a aucun attaquant dans le coup. Deuxième but, c'est un but d'attaquant. Troisième but, c'est une faute commise sur un défenseur latéral. Tu vois, comme quoi, tu peux jouer avec 10 attaquants, c'est pas pour ça que tu vas mettre 10 buts. Et là, encore une fois, ça a été vérifié. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux latéraux, que sont Zoé et Majid, descendaient très bas. Il y avait le travail défensif. Et j'avais l'impression de voir une des plus prestigieuses équipes européennes. On en parlait un peu entre nous avant le match. Le fait d'avoir mis Waris et Zoé qui descendaient très bas, je trouvais que Ajorc dézonnait moins. Il dézonnait beaucoup moins que d'habitude, ce qui fait qu'il y avait toujours cette menace à Ajorc pour les défenseurs de Reims. Et puis on sait qu'à Ajorc, il est capable de mettre une tête, il est capable de gagner tous les duels avec sa taille et il en gagne un paquet. Mais il est aussi capable de prendre le ballon et partir. Parce que l'ouverture, c'est aussi lui qui va gêner le défenseur. Hein. Ah ouais, mais je pense qu'on va revenir sur le match d'Ajorc. Alors certes, il a pas mis de but, mais le match qu'il fait, le nombre de duels gagnés de la tête, mais c'est impressionnant. Pressing qu'il a là-bas, mais pour moi, en tribune, le pressing qu'il a là-bas, mais je me lève comme si c'était une action de but. Tout à fait. C'est énorme cette débauche d'énergie, mais moi je suis vraiment fan. Il fait un tacle de défenseur au niveau du poteau de corner. Ouais, sa passe, c'est une passe hors norme. Mm. C'est une passe comme on voit pas tous les week-ends. Personne s'y attend. Première intention, boum, bam, ça c'est du grand football, franchement. Mais cette mentalité, si t'as 11 bonhommes comme ça sur le terrain, voire même tout un groupe, mais tu peux voyager encore longtemps. Ouais. On va regarder les statistiques de ce match, Lucas Fischer en régie, pour voir quand même la belle domination du Racing Club de Strasbourg. Avec malgré tout la possession pour les Rémois, mais qui n'en ont pas fait grand-chose. Seulement 5 tirs du côté de Reims. Mais sinon, les autres statistiques, elles sont largement en faveur du Racing Club de Strasbourg, messieurs. C'est ce que disait Romain dans un article qu'il a publié aujourd'hui sur Direct Racing. Alors, c'était plus une brève qu'un article, mais il disait il a titré « Reims ne pouvait pas gagner ». Ah oui, 0 tir cadré, bien comment sûr. Tu as gagné? Même très faible devant chez Reims. Il n'y avait pas grand-chose. Depuis qu'ils ont perdu Houdin. Mais enfin, on dit ça alors qu'ils ont mis 5 pions à Angers il y a 2 semaines. Ouais, mais on ne sentait pas en danger. Quoi. Devant, c'était. Tu sentais que Reims, voilà, c'était là pour faire un coup sur une occasion, mettre un but et fermer derrière. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça. Ouais, et puis surtout, nous, on a été très costauds derrière. Il y a le fait qu'ils mettent 0 tir cadré, mais c'est parce que nous, on a été très costauds aussi. On était bien les moindres occasions où, quand ils amenaient un peu de danger. C'était stoppé par un défenseur, quel qu'il soit. Mais tu vois, ça, c'est un ensemble. Les latéraux, comme Lala, par exemple, qui commence à être vraiment de plus en plus sérieux dans son repli défensif. Ouais. Un Carole qui est quand même de plus en plus intéressant. Bon, il n'a pas eu de chance avec ses 2 pénaltys concédés. Ouais, c'est une belle histoire. Non, mais c'est surtout que c'était pas de chance, tu fais mieux de le c'était dire. C'était effectivement parce que pas de chance. J'ai vu qu'il se faisait tailler. Et c'est je trouve que la tête à Marseille, la main, ça touche la tête, ça va là. L'autre, il est comme ça, il est retourné, ça vient toucher le bras qui est comme. À un moment donné, on ne peut pas couper les bras, comme disait Jackie à chaque fois. Par contre, c'est vrai que j'ai vu les notes de la presse. Moi, j'ai mis un 7 sur toute la défense. Les 4 défenseurs, j'aurais mis un 7. Parce que pourquoi j'ai vu que certains aient mis 5 à Carole. Carole, il t'apporte un pénalty. Un pénalty, c'est un but, c'est plus 1 à la fin dans ton goal average. Et pourquoi pas une place en plus. Donc, j'ai trouvé ça très sévère de la part de mes confrères. Moi, je trouve que derrière, on a tous été hyper sereins. On n'a jamais été vraiment débordés.
Alors, il a fait 2-3 passes dans l'axe. Surtout, une, qui me fait un peu trembler de Carole. Mais à part ça, franchement... Il a quand même la mentalité, tu vois, pour rester costaud. Parce que tu concèdes 2 pénaltys, un autre joueur peut plonger, en fait, le prochain match. Et là, il réalise quand même un super match. À la fin, il est récompensé. Donc, c'est bien pour lui. Très content pour lui, pour Lala et pour toute l'équipe. Non, c'est bien. On parlait un peu de tactique. On va parler Thierry Loret un peu plus longtemps. On va pas forcément parler en top et note. On va surtout parler des joueurs. Mais niveau tactique, on a commencé en 4-3-3 pour finir en 3-5-2 et en passant par un 4-4-2. 4-2-3-1, on a joué en 4-3-3, on a joué avec Sissoko et Lienard à la récup. Ouais, 4-2-3-1. Mais quand même un système de jeu qui change en cours de match, au moins 2 fois, puisqu'on passe en 4-4-2 pour terminer en 3-5-2. Messieurs, ça montre quand même que Thierry Loret sait s'adapter en cours de match et a largement plusieurs possibilités de jouer avec ses joueurs. On va se faire chier maintenant, on n'a plus rien à critiquer sur Thierry Loret. Mais t'inquiète, il y a Lyon qui arrive ce week-end, on va dire qu'il joue trop. Disons qu'il faudrait ressortir tous les commentaires. Non, mais c'est pas ça, c'est pas la question, on s'en fout. Mais c'est comme ça, Momo. Enfin, ça fait partie. Foot, Momo le sait, Max le sait, c'est comme ça. Mais voilà, après, c'est juste ce qu'il fait. Il fait pas des changements poste pour poste, donc à partir de là, c'est très juste. Faire entrer Jean-Jean, c'est très bien. Il sort à Jorge qui le. Parce que Ajor qui a enchaîné tous les matchs, quand les autres ont fait un petit peu de repos pour souffler, Ajor, lui, il a pris zéro repos. Bon, même si je ne suis pas très fan, moi, des changements début d'arrêt de jeu, comme il a fait Ajor Motiba. Parce qu'à ce moment-là, ton match est plié, mais il faut donner du temps de jeu à Motiba. C'est moi qui ne suis pas fan, je ne dis pas qu'il a mal fait, mais je n'ai jamais été fan. Et c'est pour l'ovation aussi, je pense, pour Ajor, au vu du match. Non, mais Thierry Loret, ça reste l'homme de la situation actuelle. Donc moi, on va en parler. On va en parler un peu plus longtemps de Thierry Loret. Alors, on parlait sur le match. Après, il a de la chance de pouvoir moduler parce qu'on a aussi des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Quand on voit un Lienard qui est pour moi, j'ai toujours dit, c'est un soldat. Tu le mets à gauche, il fait un bon match, tu le fais en récupérateur. Ça fait 2-3 matchs qu'il joue en récupérateur. Déjà, avoir osé mettre Djikou dans son rôle de sentinelle à un moment de la saison où c'était compliqué, il a osé le faire et c'est à partir de ce moment-là que les résultats ont suivi. Donc voilà, il fallait quand même le faire. Il a osé le faire, même si Djikou, on sait que ce n'est pas son rôle de prédilection à la base, qu'il n'est pas forcément à l'aise. Mais aujourd'hui, il fait le job. Surtout qu'il dit qu'il ne veut plus. Il insiste. C'est peut-être aussi un peu de notre faute. On lui pose la question de savoir est-ce que maintenant tu t'y es fait et tout. Et il te dit non, j'ai envie de jouer en défense, j'ai envie de devenir un grand défenseur central. C'est mot pour mot ce qu'il a dit. Mais par contre, encore une fois, là tu vois, on n'a pas pris de but 2 matchs d'affilée. On n'a pas pris de but. C'est la première fois depuis 2005 où le Racing gagne 2 matchs sans encaisser le moindre but en Ligue 1. Je vous dis bien 2 victoires. 2005, c'est-à-dire, on oublie les matchs de coupe, on oublie les matchs nuls, les choses comme ça. Mais demain, qu'est-ce qu'il va faire avec Koné? Enfin, moi c'est la vraie interrogation. Me dire qu'est-ce qu'il fait avec Koné, avec Simakan, parce que Djikou il veut pas retourner en 6 et la défense on va dire quoi, Mitro faut le sortir, je suis désolé, Mitro depuis 4 matchs là, ça, avec Djikou les deux en derrière ça tient la baraque et moi je toucherai pas cette défense là, c'est un problème de défense. Ouais non mais c'est clair, mais tu vas toucher un truc qui fonctionne maintenant. Et puis dans tout ça tu oublies qu'il y a Cassie qui est pas encore revenu. Mais c'est merveilleux parce que Cassie pas à la gauche à passer. Il y a deux mois on parlait que de Simakan. Aujourd'hui Simakan il est blessé depuis quasiment un mois et demi et on l'a oublié. C'est le foot. C'est preuve qu'on a un effectif vraiment complet. Ouais. Ce que je disais aussi dans l'effectif, ce qu'il faut pas oublier, c'est que tu as 4 ou 5 joueurs. Un Lala, il l'a fait jouer au milieu, il l'a fait jouer à droite, il l'a fait jouer à gauche. Un Lienard, il l'a fait jouer à gauche, il l'a fait jouer en récupérateur. Simakan, il peut le faire jouer à plusieurs postes. Djikou, il l'a fait jouer à plusieurs postes. Un Waris, il peut jouer sur l'aile, mais c'est plus un attaquant central. Il les fait jouer sur. On a 4 ou 5 joueurs qui, peu importe le poste où ils jouent, ils sont à niveau. Waris, Majid, il l'a pris justement parce que c'était un joueur qui était capable de jouer sur le côté. C'était la vraie plus-value qu'apportait ce joueur-là, ce profil bien précis. Et moi, je suis complètement séduit. Et tous les sceptiques qui disaient qu'il n'avait pas joué depuis 8 mois, je te dis pas, je le savais. Non, mais moi, un mec qui est passé par Porto, ils l'ont pas pris par hasard. Mais c'est clair. C'est le recrutement de Porto, quand même. C'est une des meilleures d'Europe. Ouais. Et je pense que s'il est passé par là-bas, ça a peut-être pas réussi, mais il y a du potentiel chez ce garçon. Alors, c'est sûr qu'il a fait beaucoup de clubs. Il y a des clubs où ça s'est moins bien passé, mais comme tout footballeur déjà. Et puis, on a eu des très grands joueurs qui ont fait un club par saison. Je pense notamment à Xavier Gravelaine à l'époque. Mais je veux dire, Waris, c'est quand tu le mec, on te dit oui, il sera pas au niveau, physiquement, il sera pas prêt. S'il aurait l'a pris. C'était sûr qu'il était opérationnel tout de suite. Il n'allait pas refaire une Persic à ce moment-là parce qu'il savait qu'il en avait besoin tout de suite et pas dans 3 mois. Et s'il n'est pas à 100%, tant mieux.
Parce que ça va encore. Mais parce qu'il l'a dit aussi vendredi, enfin, recrutement. Non, mais... C'est un bon recrutement, je veux dire, on a. Jiku, c'est ton recrutement le plus cher. On vend Acosta, on rachète Waris pour 2 millions d'euros. Je suis désolé, mais. Le mec, il met 2 buts en 2 matchs, là. Messieurs, Jacky Duguay-Pérou parlait de maturité, ou plutôt de manque de maturité au Racing Club de Strasbourg, qui ratait régulièrement le coach sur ces matchs-là, de passer un cap. Le cap n'est pas franchi, attention. Non, c'est clair. C'est la question. Est-ce que le cap, justement, de cette maturité a été franchi avec ce match? Non. Non, c'est trop tôt pour faire un jugement. Voilà, ça reste Reims. Ça reste à la Méno. Donc, voilà, si on peut pas battre Reims à la Méno, je veux dire, il n'y a rien de. Voilà, c'est une belle équipe, mais il n'y a rien de fou. Donc, moi, j'attendrai encore avant de faire un jugement par rapport à ça. Je pense que si là, on va à Lyon et qu'on fait un résultat à Lyon. Là, je pense que et d'ailleurs, tu le confirmes encore une fois face à Amiens, et là, t'as passé. Là, je pense que le cap, il est remplacé. Là, tu fais mais attendons de voir cette semaine qui sera décisive. Ne pas perdre à Lyon et gagner face à Amiens, ce serait le... Ouais. Sébastien, moi, je suis pas on voit le calendrier. Moi, je trouve qu'on a passé un cap, un petit, mais on en a passé. Ah bah oui, on a battu le dernier, on a battu Reims. Parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, quand on a gagné après Toulouse, ce genre de match, l'année dernière, il y a 2 ans, on aurait fait match nul ou perdu. Bah si, Toulouse, on a gagné l'année dernière. Oui, non mais... On parle du moment où ça faisait 2-3 matchs qu'on n'arrivait pas justement à gagner ce match pour nous accrocher au bon wagon. Là, les 2 derniers, ils nous accrochent au bon wagon pour l'instant. Donc pour moi, on a passé un petit cap par rapport à ce genre de match. On a passé ce petit cap, comme tu dis, parce que il ne faut pas oublier que Reims, je veux bien, c'était Reims chez nous à la maison, mais Reims, il allait battre Paris chez eux. Après, il faut pas l'oublier. Le classement, il faut oublier qu'il est très très serré. Mmh. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue 1, je crois, de voir des équipes qui ont le 5e à 4 points de plus que le 12e. Donc ça reste 5 points, je crois. Donc ça reste très serré. Le classement d'ailleurs. 3e à 5 points de plus que nous. Ouais. Le Racing Club de Strasbourg, 6e avec 36 points. Seulement 1 point de Montpellier, 5e. Et seulement 4 points de Lille, 4e. Je laisse pas me parler Maxime, peut-être d'abord, mais moi je suis pas trop d'accord avec ce que vient de dire ça. Maxime, est-ce que ce match, cette victoire face à Reims, c'est le signe d'une maturité qu'on n'avait pas encore vue du côté du Racing? Alors une maturité, oui. Après, de là à dire qu'on a franchi un cap, je pense que l'avis serait trop tranché. Je pense qu'on se dirige vers ça. Et puis ben justement, le débat qu'on avait avant, en se disant qu'il y a pas mal de défenseurs encore en attente, pour moi, en fait, c'est des débats positifs qu'on n'aurait pas forcément il y a quelques années. Là, on commence à avoir des nœuds dans le cerveau à la place du coach pour choisir un tel. Mais c'est énorme, c'est un bonheur d'avoir ce casse-tête-là. Donc on se dirige vers ça, c'est de plus en plus positif et je suis assez confiant par rapport à Lyon et c'est vrai que si on fait un résultat encore à Lyon, ça peut commencer à être de plus en plus intéressant. Mais je sens une maturité quand même dans cette équipe. Et moi, ce qui me plaît aussi, on va aussi, je pense, y venir, mais c'est le discours des joueurs. On sent en fait que les joueurs, ils commencent à se prendre au jeu. Un Thomasson, mais moi, j'adore. J'adore cette mentalité. Il a vraiment envie d'aller chercher le plus loin possible. Et si ça tenait qu'à lui, bah, il le dirait ouvertement qu'il veut être vraiment dans le top 6, top 7. Et il a envie. Et je pense que toute l'équipe également. Donc, ils peuvent pas trop l'affirmer. Mais dans certains discours, quand on les prend un peu à chaud, les réactions vives comme un Thomasson, on sent qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est des compétiteurs. Et pour l'avenir, c'est positif. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est accrocher ce wagon-là jusqu'à la 30e journée. Et après, tu donnes tout jusqu'au bout, quitte à te retrouver 10e, 9e. Sans moi, je m'en fous. Mais jusqu'à la 30e, il faut rester dans ce wagon, absolument. Là où je ne suis juste pas d'accord avec Seb, c'est on va battre Toulouse 1-0 à Toulouse. OK, Toulouse, même ce week-end, ils auraient pu faire un très bon résultat face à Marseille. Ils ont bougé Marseille, qui s'en est sorti grâce à un grand Payet. Mais... Et qui ne gagne que 1-0. Ouais, qui ne gagne que 1-0. Non, mais voilà, mais t'as raison. Mais moi, c'est pas. Enfin, Toulouse joue mieux depuis quelques matchs. Ouais, ils jouent mieux, ils ont joué face à nous, ils n'avaient pas Gradet, ils n'avaient pas... C'est toujours compliqué de jouer une équipe qui est dernière c'est toujours plus compliqué. Je suis d'accord, mais bon, dernier avec 13 points, putain les gars, on a rien fait de ouf. Ils ont accroché Amiens qui est en grande difficulté, et avant ils ont perdu 11 ou 12 matchs consécutifs. Non mais ce que je veux dire c'est que, et Momo l'a dit, ce week-end à Lyon tu fais un résultat, là tu peux, mais il faut garder les pieds sur terre, c'est important parce que... Ça messieurs, mal, hein, la rechute, hein. On va passer au top et notes de ce match. Et on va commencer par le top de Mohamed. Les 3 joueurs, ou si t'en as plus d'ailleurs. Les 3 joueurs Mohamed. Qui sortent du lot sur ce match, pour moi, c'était Ajor pour son travail, on l'a dit avant, un défensif, etc. Parce qu'il est irréprochable. Mitrovic qui fait un gros match. Et Djikou. Djikou qui a été encore une fois pour moi l'homme du match. S'il y en avait un placé devant les deux, ce serait moi Djikou. Je rajouterai encore une fois, ça c'est Thierry Loret qui a pour moi, avec la composition de départ,
pris tout le monde à court. Je pense que le coach de Reims s'y attendait vraiment pas. Je pense qu'il a analysé derrière et il a bien fait parce que jouer Reims avec trois attaquants, le Racing n'a jamais fait et on l'a fait aujourd'hui et ça a payé. Donc voilà. Monsieur Young, votre top. Moi, j'ai pas envie de sortir un joueur du lot. Non, mais clairement. Je vais mettre Loré parce que, comme je dis souvent, je tape quand il faut et quand c'est bon, il faut le dire. Il a vraiment fait le système avec les pressings qu'il faut, avec tout ce qu'il faut. Et il avait 11 soldats sur le terrain qui ont exécuté à merveille les systèmes, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et ça a donné 3-0 à la fin. Et en deuxième, moi, ce que je voulais relever, c'est l'état d'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu alors je sais pas si vous avez suivi, il y a eu le penalty. Alors je sais pas si vous avez regardé ce qui s'est passé. Il y a eu le penalty, sifflé. Motiba a pris le ballon, dit mieux aller vers Motiba, et là aller vers Motiba. Et on voyait qui va tirer ce penalty. Et je vois Mitro arriver, en capitaine, il calme tout le monde. Et tu sentais qu'il y avait pas d'animosité dans tous les joueurs. Et Dim donne le ballon à Lala, et Lala va tirer le penalty, il le marque. Et pour la confiance, parce que là, on lui a assez tapé dessus en début de saison, ça fait 4-5 matchs qu'on lui dit « il revient », je pense que ce but est hyper important pour lui. Et j'ai trouvé cet état d'esprit, ça montre que c'est des guerriers et qu'ils vont essayer d'aller le plus loin possible, et bravo, quoi, tout simplement. Et justement, Philippe Bauer qui nous dit « Lala redevient le joueur qu'il était l'an dernier, bravo ». J'ai l'impression que l'équipe prend conscience qu'elle a la possibilité de jouer l'Europa League. On en reparlera justement de l'Europe. Maxime Brenner, ton top. Alors, c'est vrai qu'on a... J'ai assez facilité pour choisir toujours un bonhomme qui sort du lot. Là, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal en y réfléchissant et j'ai envie de mettre en fait l'esprit défensif en fait, de l'équipe en... Du Guépéro Spirit. Non, même pas. Je vais sortir des joueurs. Ouais. Mais en vraiment, ce qui doit sortir de ce match pour moi, c'est vraiment cet esprit combatif et cette... esprit défensif, quand on voit un Zoe et un Waris qui sont plutôt ailiers en 4-2-3-1 ou 4-3-3, les ailiers ont tendance quand même un peu plus à rester. Et puis là, les deux ont fait les efforts, un Ajor qui se bat comme un beau diable, un Thomasson qui va harceler derrière. Pour moi, voilà, c'est cet esprit en lui-même, des Lala, Carole qui reste bien en place, Mitrovic, Jiku, c'est sérieux, Sels, pareil. C'est cet esprit global et on prend pas de but. Donc pour moi, c'est plus cet esprit défensif. Après, en deuxième, j'ai envie de mettre également Waris. Pourquoi ? Parce que le potentiel, c'est vrai que la cellule de Porto se trompe rarement. Après, là où je suis agréablement surpris, je dois l'avouer, pour moi, je ne pensais pas du tout qu'il allait être état de forme là maintenant. Fait six mois qu'il n'avait pas joué, mais c'est incroyable. Là, en fait, quand il sortait, on ne comprenait même pas pourquoi il sortait, parce qu'il pouvait encore donner du jus. Et là, il a fait tout le match. Bon choix de Loré. À la fin, il y a quand même cet appel, on est vers la 80e, où il donne le ballon, il redonne encore derrière. Un joueur un peu cramé, entre guillemets, il va donner le ballon, et à genre que débrouille-toi, va frapper. Et il fait encore cet appel, ça c'est fort. Donc pour moi, Waris encore, et j'ai envie de mettre Lala aussi. Parce que Lala, on l'a souvent tapé dessus, et voilà, c'est de mieux en mieux. Alors c'est plus le Lala de l'an dernier qui débordait à tout va, mais c'est de mieux en mieux défensivement. T'as plus le même dispositif, hein. T'as plus le même dispositif, mais l'an dernier, il aurait pu encore être un peu plus fougueux. À 5, il pouvait se le permettre. Voilà. Là, et là, il reste vraiment bien en place. Et c'est vrai que ça fait longtemps, on l'a pu citer. J'ai envie de mettre Lala plus en signe d'encouragement. Alors, à noter que sur Direct Racing, au sondage sur l'homme du match ou les hommes du match, c'est le collectif qui ressort chez les supporters. Ça serait beau. Jonathan. Jiku, pour son travail défensif. Waris, parce que tout ce qui a été énoncé. Kenny Lala, parce qu'il revient. L'arbitrage, j'ai bien aimé. Bien aimé l'arbitrage. Non, on en parle quand c'est bien. Non, mais il n'y a rien eu. Il y a pas eu. Ouais, c'est vrai qu'il y a rien eu. On a tellement plus l'habitude. On voit pas l'arbitre. Voilà, il n'y a rien eu avec l'arbitrage. Après, non, mais tout a été dit. Waris, moi, j'ai beaucoup adoré. J'ai beaucoup aimé son derrière, ce qu'il nous donne en zone mixte. Il parle pas très bien le français, mais ce qu'il donne, il te le donne vraiment avec le cœur. Et il te dit, les buts, ouais, ok, c'est bien. Mais la victoire, c'est plus importante. Et moi, après, je veux beaucoup de victoires à la maison. Ça reste le discours des joueurs en général. Ils savaient pas se mettre en avant pour montrer que le collectif compte plus que le but. Mais fois, certains joueurs... Pour moi, c'est un discours des fois un peu faux. Hein. Certains joueurs, quand ils vont te dire ça, tu sens que c'est édulcoré, que ça vient... Voilà, il te le dit pour faire beau. Là, tu sens quand même que le mec, il te dit « Moi, j'ai envie de gagner beaucoup de matchs avec Strasbourg. On a des supporters. » Tu vois, le mec, il maîtrise pas son français et il te le dit quand même de manière assez, comme ça, efforts, assez directe. Ouais. Moi, j'ai bien aimé... C'est assez rassurant. Et puis Ajorc le prouve aussi que c'est... Lui, il n'a pas besoin de le dire. Hein. Lui, à chaque fois qu'il peut faire une passe... On l'a vu sur le deuxième but, il aurait pu frapper. Oh là là, bien sûr. Il aurait pu faire un crochet. Personne s'y attendait, c'est justement là, sa force. Mais je pensais pas qu'il allait lui mettre. Je pensais pas. Moi non plus, je pensais pas. Et après, tout le monde de court et c'est passé. Magnifique.
Alors, on a un peu parlé de Waris, on a vu la statistique, le premier but de Waris. Une question est revenue sur le direct. Y a-t-il une complémentarité qui se dessine entre Ajorc et Waris? C'est une complémentarité collective. C'est pas avec Ajorc particulièrement, parce que je l'ai vu aussi avec ses relais que sont même là hein, sur les côtés et tout. Donc non, pas spécialement à Ajorc. Bien sûr que c'est encourageant quand tu vois le but, mais le but ne te définit pas tout le match non plus. Hein. Je veux dire, c'est important de sortir ça du contexte. Dans la mais Ajorc, il a tellement un style atypique que forcément, tu mets n'importe quel joueur avec lui, ça devient une complémentarité. Ouais, par contre, ce qui est fou, c'est que moi, je suis défenseur sur Oumadjid, je lui casse une patte à un moment donné. Hein. Ouais. Parce que le mec, t'as vu comment il te rend fou devant. Il te lâche jamais. Même quand il perd le ballon, je te dis, moi, je lui mets une balayette au bout de 5 minutes. Hein. Ouais, et puis, on avait déjà souligné la semaine dernière, après Toulouse, moi, je trouve que c'est un joueur qui nous manquait dans le sens où il élimine facilement. Il fait des petits dribbles. Il a une grosse accélération. Et du coup, ça devient super difficile à prendre pour le défenseur. C'est le seul qui a pas mis, je crois, hein, et il est rapide, quoi. C'est Gonzalez, quoi. C'est, une fois qu'il est lancé, ça devient difficile. À part faire une faute sur lui, c'est difficile de l'arrêter. Ouais, alors, tant mieux qu'on ait un joueur comme ça. Il y a un commentaire de Jean Mouloud assez juste qui dit « Attention au contre-coup physiquement en parlant de Waris ». C'est ce que je l'ai pensé. Hein. Je me suis dit, et c'est peut-être pour ça encore que Thierry Loret lançait certaines gestions physiques avec lui. Parce que c'est sûr que là, il revient à tambour battant, il n'a pas eu de compétition pendant 8 mois. Il se peut que mois de mars, mois d'avril, ça cale un petit peu et ce ne serait pas impossible. Hein. Maintenant, si d'ici là, il t'a mis 6 buts et qu'il t'a rapporté 12 points, moi, je prends tout de suite. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus de coupe. On n'a plus que championnat. Ouais, non, mais. On est à un match par semaine. Oui, on a des Motiba qui sont aussi revanchards, qui ont un tas d'esprit assez. Exactement. Là, il y a comme une fierté derrière. Donc, ils vont voir les résultats de Waris. Il faut aussi que derrière, qu'ils montrent un peu ce qu'ils savent faire. Donc, c'est bien, ça va créer une concurrence saine. T'as vu quand il est rentré, Motiba? C'est ça, c'est ça. Ouais, j'ai cru que c'était un lion. C'est exactement ça. Dans une arène, tu ouvres le machin, le dos, il. Il y a une concurrence qui s'est créée. Et il l'a fallu. Ouais, ouais. Et puis, concurrence positive. C'est le reste saine et c'est très bien. Ouais, les deux ont une positive attitude et c'est assez agréable. Bon, c'est vrai que nous, on connaît peut-être un peu moins les joueurs que toi, Jonathan, mais de l'extérieur, j'ai l'impression quand même que c'est une très bonne mentalité entre Motiba, Waris, Ajorc, Thomasson. Ça a l'air quand même des mecs sains, en fait, dans le vestiaire. On n'y est pas. Mais là-dessus, je pense être assez rassuré. Des gros caractères, peut-être un petit peu moins. Dans un vestiaire, de toute façon, tu as toujours des clans. Il y en a toujours. Tu as toujours des clans. Tu as les pétards, les mecs, les machins. Et Momo a souligné, je sais plus c'est Momo ou Seb, sur le penalty. Ah, c'est moi. C'était hyper criant. Et pour tout, c'est comme ça. Il y a un leader de vestiaire. Et il faut comprendre ça. Mitro, c'est peut-être pas le meilleur, on le sait, on en a conscience. Mais s'il a le brassard, c'est pas pour rien. Putain de leader. Le mec, quand il y a un joueur qui sort, t'as vu quand il y a un changement? Il vient jusqu'au milieu de terrain, il va saluer. Tout le monde, tout le temps, et c'est ça qu'il faut. Non, mais si vous avez l'occasion, regardez la scène, moi, ça m'a frappé. Tu vois que Lala veut le tirer, Motiba veut le tirer, et Dim veut le tirer. Tu le vois, hein. Ouais, ils sont tous les trois. Là, il y a Mitro qui arrive derrière, tu vois dans les gestes, il dit « Et les gars, on se calme, on discute. » Et on voit Dim qui donne le ballon à Lala. C'est comme ça que... C'est beaucoup d'intelligence. Tu sens que c'est pas... voilà, il n'y a pas le penalty gate, comme ils ont pu l'appeler à Paris, etc. Il n'y a pas d'histoire comme ça, quoi. Tu sens vraiment que c'est sain et que ça se passe très bien. Un mot sur un joueur qu'on a moins vu parce que d'autres ont été plus mis en valeur, mais c'est peut-être lui aussi qui les met en valeur. Thomasson. Thomasson, alors pour moi, il a déjà fait des meilleurs matchs que ça, mais après, on peut toujours pas lui reprocher la mentalité. Il se bat sur chaque action, mais je l'ai trouvé un petit peu, enfin moins juste techniquement que d'habitude. Quelques remises un peu ratées, mais on peut pas lui enlever le mérite d'harceler. Il crée à chaque fois des décalages aussi, ne serait-ce que parce qu'il est en mouvement. Mais c'était pas forcément son meilleur match. Mais c'était pas non plus un match en deçà où on se dit, qu'est-ce qu'il fait encore sur le terrain, mais on a déjà connu mieux, mais un peu moins juste techniquement, comme un peu à Toulouse. Ouais, c'est le terrain qui était pour... Le terrain était pour beaucoup. Ouais, peut-être pas évident, mais... Il était en bord pelouse, il était franchement, c'est un truc de dingue, on n'a pas joué dessus pendant 5 semaines. Alors, il y a eu de la pluie, il y en avait beaucoup de flotte quand même en Alsace, mais décevant ce terrain, et Liénard l'évoquait, il l'a pointé du doigt, et c'est aussi pour ça que Liénard était moins bon. Après, il est dans un rôle très particulier, Liénard de 6, même si moi, je l'aime beaucoup à ce poste. Pendant la préparation, Loré l'a souvent mis à ce poste-là. Ça fait partie de nos forces, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est cette polyvalence pour certains joueurs. Mais après, Thomasson, bien sûr que ce n'est pas son meilleur match. Thomasson nous a tellement habitués à mieux, il a mis la barre tellement haute que là, dès qu'il y a un match où forcément on voit un peu moins, on pose des questions. Mais moi, je pense qu'il a fait un travail dans l'ombre aussi. Bien sûr. On ne voit pas forcément, mais voilà, il harcèle tout le temps, il est dans la continuité. Il a souvent des deuxièmes ballons. Hein. Ouais. Et Sissoko fait j'ai pas cité, mais Sissoko, la récupération dans ce match. Moi, ce qui m'énerve avec Sissoko, c'est que tu as l'impression, dès qu'il veut faire un truc technique, qu'il a deux pieds gauches. Non, mais je le dis comme je le pense.
l'impression que putain, il sait pas ce qu'il veut faire avec le ballon. Mais alors à la récupération, je sais pas s'il a été passé ce week-end. Je sais pas. Je pense que les internautes ont raison de dire que c'est vraiment le collectif qui a primé ce week-end. Thomasson, on le voit moins. Pourquoi? Le système défensif de Reims fait que Thomasson, il peut avoir moins le ballon. Notre système à nous a changé. Au lieu de chercher la profondeur avec deux attaquants devant, il y a deux attaquants, un à droite, un à gauche, et plus Ajor qui sert de pivot. Et puis à un moment donné, on a fait sauter le verrou parce que Dim envoyait des transversales d'un côté du terrain à l'autre. Magnifique. Et ça passait au-dessus de Thomasson. C'est tout ça qui fait qu'on le voyait moins. C'est parce que tu as une défense très grande avec Abdelhamid et puis le et voilà. Donc sur les côtés avec Majid et alors, c'est pour ça. Hein. On l'a moins vu, mais effectivement, le travail dans l'ombre a fait que ça a fait sauter. Bien parce sûr. Que tout le monde, en fin de compte, Reims, tu voyais dans leur défense qu'ils attendaient que Thomasson prenne le ballon et que c'est lui qui allait chercher la profondeur. Ben, on est passé à côté de lui et puis c'est comme ça qu'on les a eus. Quoi. Et enfin, un mot sur le joueur qui a été élu homme strasbourgeois du mois de janvier, qui a encore marqué, qui s'affirme comme l'un des tauliers du jeu strasbourgeois et du vestiaire. Djikou, messieurs, Mohamed, tu en as déjà parlé de Djikou, mais... Ah, il a un profil très intéressant, et puis l'état d'esprit, il est irréprochable. C'est quelqu'un de dur sur l'homme, on le voit, il est tout le temps en contact, il a jamais le morceau. Honnêtement, les attaquants, je pense qu'ils ont du souci à se faire avec lui. Je pense qu'avoir un défenseur comme ça, c'est pas du plaisir. Et puis voilà, espérons qu'il continue à jouer dans ce rôle-là et que son poste de numéro 6, qui lui colle un peu depuis quelques mois, ça va lui convenir et qu'il ne va pas commencer à nous faire une crise ou autre, comme on a déjà vu ces joueurs à l'époque qui n'aimaient pas jouer à des postes que l'entraîneur leur donnait. Pourtant, il revient à son poste, là. Il revient à son poste, mais il n'a pas fait tout le match. Là, je pense que Loré a adapté par rapport au schéma qu'il y avait en face aussi. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il continue dans ce rôle-là de 6, parce que c'est là où il s'est fait remarquer cette année. C'est à partir de ce moment qu'on a eu les meilleurs résultats, donc je pense qu'il faut continuer. Et l'année prochaine, on verra, mais... Parce que t'as personne, t'as pas de vrai 6 à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est bon dans ce rôle-là de 6. Mais si tu le mets un bon 6 et tu le laisses en défenseur central... En stopper, il est encore... Il est aussi bon, donc il n'y a rien à lui dire. Le meilleur, même. Mais t'imagines, tu l'as en défense centrale et t'as devant lui un très bon 6. Là, t'es sur une base défensive quand même costaud avec un Cassie qui explose. Moi, je vous dis, l'année prochaine, avec les caisses là qui se sont remplies... Moi, je suis curieux de voir la valeur marchande de Djikou en fin d'année. Je suis curieux de la voir. Ça va être difficile de le garder. Si on n'accroche pas quelque chose en fin de saison, ça va être Je pense pas. Il sera courtisé. Il a une marge de progression encore énorme. Peut jouer vraiment dans un grand club. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que... Tu sais, mais il se plaît aussi à Strasbourg. Tu vois, il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Lui-même, d'ailleurs, il y avait un journaliste, un de mes confrères qui a posé la question sur les salaires, où d'ailleurs ils se sont fait un peu fracasser par Loré et tout ça, mais c'est vrai que Djikou, pour lui il y a l'argent, c'est très important, mais il n'y a pas que ça, il y a des paramètres à prendre en compte. Après ça dépend, s'il y a un changement de coach, s'il y a un autre coach, ça peut tout changer. Il y a des sommes qui ne se refusent pas aujourd'hui dans le foot. Il y a des sommes qui se refusent pas. Ouais, mais est-ce que beau dire que j'aime jouer dans cette région, que je suis bien sûr, bien sûr, mais aujourd'hui on vient te proposer triple, je suis d'accord, mais est-ce que en tant que meilleur salaire du Racing, est-ce qu'il aura le double ou le triple? Je suis pas sûr non plus. Tu vois, aujourd'hui, quand parce on voit, que quand c'est, on c'est voit, aussi un risque. Djikou, il a le profil pour jouer en Angleterre, je suis désolé. Il a le profil. Ouais. Quand tu sais les salaires en Angleterre, ouais. C'est un beau tremplin pour lui. Donc, après, là, on est en train de s'emballer parce qu'il te met. Je parle pas de nous, mais c'est vrai que je vois dans les commentaires, beaucoup on s'emballe pour son but. C'est pas ce qu'on lui demande. Non, c'est pas le but. C'est un plus, hein, bien sûr que c'est un plus, on va pas cracher dessus parce que c'est lui qui bloque le compteur du Racing. Là-dessus, je critique pas. Mais ce qu'on lui demande, c'est de bien défendre déjà dans un premier temps. Moi, c'est un futur capitaine en puissance. Je pense que je sais pas. J'ai un doute. Moi, je le vois là-dedans. Peut-être pas encore assez mature. Moi, je le vois. Moi, j'ai un doute sur son plus sur son caractère que sur sa qualité footballistique. Monsieur Young, l'avis de la gendarmerie nationale sur Djikou, le flic quand même, le flic de la défense strasbourgeoise. Au jour d'aujourd'hui, Djikou, même s'il préfère jouer en centrale, toutes les décisions qui étaient faites par le coach, il y a des victoires derrière, quel que soit son poste. Il joue bien à chaque poste et je pense qu'il préfère jouer 6 que d'être sur le banc, tout simplement. Hein. Donc, sachant qu'il a des qualités, des qualités physiques, parce que tu ne le bouscules pas comme ça, les tacles sont souvent justes, il fait rarement des fautes. Après, il s'adapte lui aussi à ce que le coach lui demande. Même si lui n'a pas forcément envie, c'est quand même le coach qui décide. Mais s'il y a peut-être un petit axe de... Un petit peu juste. Oui. Et après, au jour d'aujourd'hui, Strasbourg, on est 6e. On peut peut-être, on va en parler après, on peut peut-être viser plus haut.
Et je sens que les joueurs, ils en ont envie. Là, je te rejoins de ce que tu as dit avant, Max. Ça, c'est possible. Et puis, il ne faut pas oublier que l'année prochaine, les droits télé, ils explosent. Donc, les salaires en France, ils vont aussi peut-être pas exploser, mais ils peuvent. Ils peuvent avoir des revalorisations. On va pas être au niveau de l'Angleterre, mais on va s'en rapprocher. Belle transition, les salaires. Tu as donné ton avis, Non, bon, après, c'était encore non, sur. Parce que j'ai entendu. J'ai cru qu'il allait me sauter dessus, là. Non, mais c'était encore un peu sur Djikou. Peut-être l'axe de progression. Alors, c'était même pas footballistique, mais c'est peut-être cette maturité, ouais. Même avec les journalistes, toujours de mettre en avant qu'il est peut-être pas à l'aise à ce poste, il préfère en défense centrale. Moi, je préférais qu'il botte un petit peu en touche. Comme tu dis, discours un peu de politicien, le collectif avant tout. Je préfère qu'ils disent, voilà, je joue à n'importe quel poste, j'ai une petite préférence, effectivement, derrière, mais on l'entend quand même souvent sortir, ça, ça me gêne après, un petit peu. Mais après, et peut-être trop but en blanc, peut-être et peut-être un peu trop franc. Mais après, on aime bien la franchise. Lucas, prépare-toi, parce que je pense que c'est le bon moment. Ce qui est marrant avec Alexander, c'est quand je lui pose une question, il est toujours d'accord avec moi. Ouais, exactement, ça savait que ça allait. Bon, après... Ouais. C'est cool, il est toujours d'accord avec ce que je dis, c'est extraordinaire quand même. Et après on va dire qu'on ne connaît rien au foot, ça. Non, plus sérieusement, mais je pense que dans le leadership, il doit encore un peu progresser. C'est l'impression que j'ai, parce que... Mais il dégage une telle puissance sur le terrain, c'est... Non mais après... C'est un très très bon. Ouais. Là où le politiquement correct, c'est pour les grands clubs, aujourd'hui c'est magique. Franchement, oui, quand tu vois les... Bien sûr. Quand Mathilde, tu vois les... Non, magique. Quand c'est magique dans le sens où... Ah, j'ai pris Waris, ça. Comme tu disais, quand tu fais les interviews ou quoi que ce soit, tu sens que c'est naturel. Oui, bien sûr. Les punchlines de Dim, les... Il nous a à nouveau sorti une, hein. Ouais, j'ai vu. On verra. Ce que Majid, il parle comme Djikou. Moi, je trouve ça fantastique. Et puis, c'est honnête. Il a le droit de dire qu'il préfère jouer à poste. On a le droit de le dire. Oui, il a le droit de le dire. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être ce leadership pour des capitaines, parce que justement, ils disent ce qu'ils pensent. Et ils assument ce qu'ils pensent. Peut-être. Ils disent tous ce qu'ils pensent. Donc, c'est pour ça que c'est une force vraiment. Quand t'es capitaine, voilà, faut quand même assumer ce que on a quand même vraiment beaucoup de chance à Strasbourg avec les joueurs. Et d'ailleurs, on peut, parce que quand c'est pas top, on le dit. Et on peut aussi saluer le responsable communication qui a vraiment insisté pour que Kenny Lala passe en zone mixte. On ne l'a pas eu. Donc voilà, on remercie quand même de l'effort qui a été effectué hier soir. Voilà. On va parler rapidement, petite parenthèse, avant forcément d'enflammer la toile avec ce sujet. Et maintenant, l'Europe. On va parler rapidement des salaires, puisque c'était quand même un des sujets polémiques dans le football français, et notamment du côté du Racing Club de Strasbourg, Thierry Loret, qui a envoyé une petite punchline. Ouais, mais parce que tu as des journalistes, des amis, confrères, tout ce que vous voulez, il y a un certain corporatisme toujours à avoir, et il y a une chaîne que je suis beaucoup en ce moment et qui dénonce un petit peu ça, et j'aime bien, c'est que ça ne t'autorise pas à parler de tout et n'importe quoi. Tu viens à une conférence de presse, tu attends 20 minutes... Et d'un coup, tu sors une question de merde. Je suis désolé, nous, on a bossé pendant 20 minutes avec des vraies questions sur le sport. Et les mecs, ils arrivent avec une question de merde et qui te flinguent toute la suite de la conférence de presse parce que on va aller sur un sujet comme ça. Les salaires des joueurs, c'est bien, c'est super. Et Loret a dit, quand c'est pas parler football, on sort des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je te demande, qu'est-ce que moi, j'en ai rien à foutre de connaître les salaires des joueurs. Je veux dire, on ne demande pas à nous d'étaler nos salaires sur la place publique. Ça ne se fait pas, je trouve. Après, si les joueurs ont envie d'en parler, ils font ce qu'ils veulent, mais. Ça peut foutre la merde dans un vestiaire. Enfin, tu te rends pas compte. T'es à Strasbourg où il y a une certaine maîtrise. Mais tu vois, là, il y a de la haine. Il y a de la haine qui sort. On va te dézinguer un Cornier. On lui donne X salaire. On va dézinguer un Persic parce que. Mais putain, c'est comme ça. Déjà, ils sont blessés. C'est la Sécu qui paye. Faut aussi le dire. Et c'est brut, tous ces salaires-là. Les mecs, ils ont une carrière très courte. S'ils ont une carrière de 15 ans en tant que professionnel avec des salaires comme ceux-là, c'est beaucoup. On sait que les salaires en France ont toujours été un peu. Voilà, c'est toujours un peu tabou. Mais aujourd'hui, lequel de nous à cette table cracherait sur un salaire comme celui-là? Personne. Donc, c'est l'offre et la demande. Faut arrêter d'être. Ou alors faut arrêter d'aller regarder les matchs de foot. Voilà, hein. C'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, si on te donne un salaire, tu le prends. Point. Ouais. Si le club peut te donner, c'est qu'il a les moyens de te le donner. Bien sûr. Et derrière, c'est calculé. Je pense que c'est pas fait comme ça à la va-vite. Donc à un moment, faut arrêter de faire son hypocrite, son focus, ce qu'on veut. Aujourd'hui, les salaires dans le foot, ils sont démesurés. On le sait. Pour jouer au foot, c'est beaucoup. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le business. Mais t'as raison, on critique. Et on peut les citer. On critique Canal+, peut-être par moment. On critique Bein. On est tous abonnés. C'est de notre faute. Si Droit TV passe au milliard, c'est peut-être. Alors on va dire de notre faute, mais c'est peut-être grâce à nous aussi. À un moment donné, c'est l'offre et la demande. Si vous voulez pas que les salaires des joueurs soient élevés, bah arrêtez d'aller voir du foot. Hein. En l'occurrence, c'est l'équipe qui dévoile. C'est l'équipe qui sont pas complètement justes les salaires à proprement dit, parce que pour avoir échangé avec quelques joueurs et anciens joueurs du Racing Club de Strasbourg, il peut quand même y avoir un delta 30%.
dans le, vers le bas, hein. Donc c'est important. On est tous d'accord pour dire que ça reste des gros salaires dans le foot. Ouais, le mais d'accord. Ça sert à rien de le balancer. Mais voilà, aujourd'hui c'est devenu normal, donc faut faire avec. Et point. Messieurs, on va un peu accélérer parce que deux sujets en 45 minutes, ça fait un peu long, même s'il y a énormément de gens qui nous regardent. Merci à vous sur YouTube. On va passer à un sujet qui risque lui aussi d'être long. C'est pour ça que j'accélère un petit peu. Et maintenant, l'Europe. Et pourquoi pas ? Oh putain. Et pourquoi pas ? Taisez-vous, si vous voulez. Le Racing Club de Strasbourg est donc sixième de ce classement de Ligue 1, potentiellement, et provisoirement peut-être européen en cas de double victoire du Paris Saint-Germain avec le titre de champion et de double victoire sur les coupes nationales. Non, c'est pas, une seule. C'est pas victoire de Paris, c'est une victoire dans une coupe d'un des quatre premiers. Ouais, c'est ça. Il faut, non mais, on peut le dire comme on ça. On peut aussi le dire comme ça. Ouais, il ne faut pas dire que Paris. Si c'est vrai. C'est un des quatre premiers. Si Lyon gagne, ah non, Lyon ils sont pas dans les quatre premiers. Ouais, mais ils sont potentiellement. Si Strasbourg gagne la coupe de France, ah non, on est éliminé, merde. Non mais il faut remettre les choses dans. Vous avez raison. Potentiellement, donc ça peut être. Qui chipote hein, ce soir. Peut-être, hein, mais effectivement. Ça peut être victoire en compétition nationale de Lille, qui est encore qualifiée, il me semble, en Coupe de France. De Marseille, qui est encore qualifiée en Coupe de France, de Paris, dans les deux coupes, et qui terminerait effectivement dans les quatre premières places. Messieurs, est-ce crédible de voir le Racing Club de Strasbourg candidat à l'Europe ? J'ai envie de dire long sum, comme on dit, doucement, étape par étape, pour prendre les matchs les uns après les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, le maintien, il est assuré, il faut se le dire. Donc pourquoi pas être ambitieux ? Il faut l'être, mais ouais, doucement. On perd deux matchs, on est 15e. Hein. Donc doucement, on ne va pas s'enflammer non plus. Et on va prendre match après match, mais il faut être ambitieux, il faut laisser les joueurs, voilà, faut... la pression, ils ont réussi à la gérer depuis le début. On était 18e à un moment, aujourd'hui on est 6e. 20e, pardon. Donc ouais, étape par étape, et on va arrêter de s'enflammer trop vite, donc doucement. Monsieur Jung, qui parlait déjà d'Europe. Mais oui, mais pourquoi... À Noël. Non, mais pourquoi... Bah oui, c'est non, vrai, mais, il parlait, mais moi, il parlait je d'Europe dis, à Noël. Non, mais pourquoi ne pas s'enflammer ? Et les joueurs, tu le disais très bien, ils ne s'enflamment pas. Mais tu sens bien que si on peut y aller, on y va. Mais heureusement. Et heureusement. Et pourquoi ils peuvent aussi y penser ? Parce que on l'a dit la semaine dernière, on l'a dit il y a deux semaines, les équipes qui sont devant nous, si tu enlèves Paris et Marseille, quelle équipe en dehors de Lille qui a un bon jeu est meilleure que nous ? Montpellier. Bah, mais aujourd'hui, on a envie d'aller en Europe, mais quand on y était, on disait quoi de l'Europe ? Sans on n'a pas l'effectif pour, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Sans parler de l'Europe, mais sans parler de l'Europe. Mais finir quatrième... Oui, c'est vrai aussi. C'était énorme. C'était le parcours du combattant, c'était compliqué. Ouais, ouais. On a laissé du jus. C'est ton mercato, tu sais pas comment le faire. Si, imagine, tu avais recruté à mort. Le club aurait pris... Aujourd'hui, on se dirait, putain, il a dépensé trop d'argent, t'es dans la merde. C'est compliqué. Aujourd'hui, quand tu vois le championnat français... Alors oui, je suis d'accord avec toi, on perd deux matchs, on peut être 15e. Mais qu'est-ce qui nous interdit de se dire on peut finir 4, 5, 6? Ouais, il faut... Qu'est-ce qui nous l'interdit ? Il faut rien du tout. Ouais. Alors, justement, Seb en parlait, la réaction. Une tisane, hein, les gars. Hein. Alors, on va lui mettre un petit peu de tisane quand même dans son dos. Ouais, pour le calmer. C'est à celui-là qui a sorti le sujet aussi, parce que moi, je me dédouane de toute responsabilité. Hein, parce que quand j'ai lu ça ce matin, quand j'ai vu le premier message, alors Max, t'envoies un message le matin, tu lis ton téléphone. Alors, les sujets du jour, si vous êtes d'accord, le Racing et l'Europe. Je dis, oh putain, c'est bon, il va y avoir de l'ambiance ce soir. Hein. Bah, vu que Jackie Duguay-Pérou n'était pas là. Ah non, t'as osé. Monsieur Luis Fernandez l'a dit aussi. Ouais, Pierre Ducrot. Pourquoi pas Pierre. Alors, messieurs, la parole aux joueurs. On va commencer d'abord par Ludovic Ajorque sur le sujet de l'Europe. Non, on se calme un peu. Il faut se maintenir, c'est assez serré. On sait que dès qu'on perd deux matchs, on redescend. On gagne deux matchs, on remonte. Non, on va prendre les points pour se maintenir rapidement et après on verra. Voilà la première tisane pour Sébastien Jung et tous les supporters qui s'enflamment. Et le deuxième effet qui se coule, Dimitri Lienard. Si on est prêt, en régie. Ouais, non, après, entre guillemets, le classement, il est anecdotique parce qu'on voit bien que c'est un peu olé olé dans le championnat, que c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est clair que nous, le but, c'est on prend les matchs les uns après les autres, on va atteindre le max de nombre de points possible. Donc voilà, après, pour l'instant, tu gagnes un match, t'en perds un, t'en perds deux, t'es 15e, t'en gagnes deux, t'es 5e. Je veux dire, c'est un peu fou pour l'instant. Donc voilà, mais c'est toujours beau et c'est toujours bien d'être quoi, 5e là, 6e, d'être 6e ce soir. Je veux dire. On aurait tous signé à l'heure actuelle, il reste quoi 13 journées. Donc on a 36, 30,
36 points. Je veux dire, allez, il reste deux victoires et on est maintenu. Donc voilà, on va déjà aller encore aller chercher deux victoires. Et après, on continuera à nous, les joueurs, à aller chercher, on va aller chercher quelque chose en plus pour nous. Quoi. On verra ce qu'on peut faire. Voilà, Dimitri Lénard qui réagissait, alors qu'on peut baisser, merci le son, en studio. Dimitri Lénard qui réagissait donc aux ambitions européennes de suite pour le Racing Club de Strasbourg. La parole à la défense, monsieur Young. Juste 5 secondes, si t'as des interviews comme ça, c'est pourquoi ? C'est parce que les journalistes leur demandent. Mais tout à fait. Et donc c'est qu'ils y pensent aussi. Mais on peut au moins poser la question. Bah oui, le Racing Club de Strasbourg est 6e. Alors pour la petite information, et ça va être une question, lors de la saison dernière, 2018-2019, combien de points avait le Racing Club de Strasbourg juste avant la 25e journée ? 35. 35, ouais. Un de moins. 35. Max ? Moi, j'aurais dit 34. 34-33. 34 aussi. 35. 35 et on était 7e. 35. Le Racing Club de Strasbourg avait 36 points. 35 l'année dernière. 24e journée, j'ai fait le comparatif. J'ai fait un article là-dessus, monsieur Ducap. Alors, pour être exact, la 25e journée s'est jouée avant la 24e journée. Oh. Il y avait des reports. Et donc, pardon, c'était la 24e qui s'est jouée avant la 23e journée. Et donc, par conséquent, voilà, après 24 matchs joués effectifs, le Racing Club de Strasbourg avait le même nombre de points la saison dernière. Et on a vu la suite l'année dernière. Le Racing était 9e à l'époque et non 6e. Max Brenner. Alors oui, par rapport à l'Europe, je rejoins un peu plus Momo. C'est vrai, on va se calmer, effectivement. Mais je suis aussi compétiteur et voilà, ça sera que du bonus. Si on accroche cette coupe, c'est que du bonus. Donc voilà, cette pression, effectivement, faut l'enlever. On va prendre match après match. C'est vrai que jusqu'à la 12e place, en fait, il y a que 3 points d'écart. Donc là, on parle de 6e place, mais ça joue en 3 points. Donc un autre résultat, on n'évoquerait peut-être même pas le sujet. Mais c'est bien, c'est positif. Faut pas oublier de ces années de galère. Donc là, c'est énorme d'avoir ce sujet-là et d'être un peu avec des sujets, enfin des opinions différentes là-dessus, mais j'ai envie de dire, voilà, ça peut être que du bonus. Si on n'atteint pas, c'est pas si grave, mais c'est bien ce petit piment. Ils sont compétiteurs, donc moi avec plaisir je les suis. J'ai jamais dit que ce serait grave si on y arrive pas. Oui, mais voilà, ça serait que du bonus, mais c'est pas une obligation. Par contre, si on obtient quelque chose, ouais, garder les joueurs bankable, ça serait vraiment un bel argument. Après, alors, voilà. Avant d'avoir l'avis de Jonathan, on va quand même regarder ce classement parce qu'il est très intéressant. Il y avait 6 points d'écart avant cette 24e journée entre le 5e et le 15e qui était Saint-Étienne déjà avant cette 24e journée. On constate que, mine de rien, il y a un petit écart qui est en train de se créer entre le Racing et Bordeaux. Il y a, bon, ça reste 2 points, c'est pas grand-chose. Et avant, il y a 2 points. Ah, Bordeaux, pardon, j'ai cru. Entre Bordeaux, ouais, il commence à y avoir un petit, et on peut même dire, entre le Racing et Lyon. Entre le Racing et Lyon. Mais c'était non, mais sérieusement. Avant cette 24e journée, c'était beaucoup plus serré dans ce qu'on peut appeler ce ventre mou. Est-ce qu'il y a un petit écart qui est en train de se créer entre le 5e, 6e, 7e et le. Le seul écart qu'il y a, c'est entre le 1er et le 2e, point barre. Et le dernier. Non, mais c'est ce qu'elle a ramassé. Ouais, les deux premiers avec le troisième, ouais, est un peu décroché déjà. Mais ce week-end, tu perds. C'est table rase. Tu reviens à zéro. Tu peux être 12e ce week-end. Alors, peut-être pas avec le goal average, mais si tu prends une branlée, en fait, si, largement, tu peux potentiellement être 12e ce week-end. Donc, vraiment, je pense que. Alors, ok, d'accord, je peux comprendre que les supporters ne veulent pas entendre parler de maintien, mais je pense que quand on est footballeur et quand c'est ton objectif principal, ça reste quand même dans les têtes. Parce que déjà, ça te permet un petit peu de te calmer toi et de calmer un peu ton entourage. On a tous envie de rêver. On a tous envie que le Racing nous fasse rêver. Moi, je te dis, si on est 8e à la 30e journée, là, on pourra commencer à kiffer. On saura qu'on sera largement maintenu et puis on dira qu'il faut aller chercher le plus haut possible. Et j'ai vu un commentaire de Olivier Herbe ou Grégory Herbe, je n'ai pas vu. Olivier, et qui dit finalement si tu vas pas, en gros, voilà, si tu fais une contre-performance, qu'est-ce qui va se passer ? Mais bien sûr que ça va râler, parce qu'on va dire ah ouais, on aurait pu aller jouer l'Europe, ah ouais, on était si proche et machin, mais on est proche de que dalle, on est proche de rien du tout, c'est du flan le classement actuellement, c'est du flan, on a 36 points, pardon, c'est 36 points, c'est faible après 24 journées. Vous allez voir en Bundesliga, le 6e à la 21e journée. C'est faible pour un 6e. C'est faible pour un 6e, c'est ce que je vous dis. C'est ridicule. Après, bien sûr qu'il y a des éléments qui peuvent te faire rêver. Et je crois que je l'avais noté quelque part. Marseille, l'année dernière, ils avaient 37 points, là, à cette même période. Ah oui, c'est ça. Ils avaient donc 37 points. Et ils terminent 6e avec 61 points à la fin de la saison.
Ça veut dire qu'en gros, c'est 25-26 points de plus qu'aujourd'hui. Moi, sur ce que j'ai tablé, sur, j'ai fait une petite liste des matchs, mon estimatif, on peut encore aller chercher 25 points, ça ferait 61 points, tu peux finir 6e. Ça, c'est dans... Non, mais c'est possible. Avant de parler d'Europe, moi j'ai dit qu'est-ce qui nous empêche de dire on peut finir 4-5-6. Au-delà de ça, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que le 4e qui va en Europe. Il faut aussi être à un moment donné être pragmatique. Il n'y a que le 4e pour l'instant qui va en Coupe d'Europe. Probablement le, la 5e place. Il y a Paris, Paris-Lyon en finale de la Coupe de la Ligue. Il n'y a rien qui dit que Lyon va perdre cette finale. Lyon, pour l'instant, n'est pas qualifié en Coupe d'Europe. Donc. Il faudra aussi voir tout ce qui se passe dans les coupes. La finale de la Coupe de France, elle est après la fin du championnat. Il faudra voir les deux équipes qui sont qualifiées à ce moment-là. Il y a encore trop de paramètres. Mais qu'est-ce qui nous empêche de rêver de dire on peut finir 4-5-6 ? Et puis, rien du tout. Je pense que c'est un scénario improbable. Lyon va gagner les deux coupes et puis il y a un nouveau ticket. Exactement. Il y a, beaucoup de. La question, je la retourne différemment. Vous ne pensez pas que c'est un peu trop tôt pour parler d'Europe ? Bah justement, alors il y a les pros Europe qui nous disent qu'il faut arrêter de parler de maintien. Et c'est notamment le commentaire de Yannick Conrat. On a également Vincent Ruy qui nous dit « L'Europe, trop tôt pour en parler ». Donc voilà, il y a deux sensibilités, clairement, aujourd'hui, au sein des supporters du Racing. C'est dans un coin de la tête, comme ce soir sur ce plateau. Mais c'est dans un coin de la tête, mais je pense qu'en parler, c'est prématuré. Et puis après, on va parler de quoi dans trois semaines, si on est encore bien, on va parler de Ligue des Champions. Non, je veux dire, il faut… On est qu'à 5 points. Hein, ouais. Faisons mieux que l'année dernière. Oui. Faisons mieux que l'année dernière, beaucoup mieux, ça serait encore mieux. Maintenant, je pense qu'il faut procéder par étapes. On va aller aux 40 points. Moi, tu sais. Des 40, on va aller aux 50, si on peut. Et des 50, peut-être aux 60. Ce qui me dérange, Seb, moi, sincèrement, c'est qu'il y aura de la déception si jamais ça se passe pas. Et ça va me faire chier parce que tu vas avoir de la frustration, tu vas avoir un déferlement de haineux et de haters sur les réseaux. Et ça m'horripile. Non, mais il faut profiter de l'instant présent. Pourquoi on parle déjà d'après ? Profitons de l'instant présent un petit peu. Putain, on le fait jamais ça dans le monde actuel. Après, la différence avec l'an dernier, c'est que l'année dernière, on avait encore la coupe. Donc on était un peu voilà. C'est vraiment la différence qu'on a avec l'an dernier. Donc c'est ce petit truc qui me dit que pourquoi pas on peut aller plus loin. Ouais, parce qu'on a plus rien à jouer et on joue libéré. Mais voilà, encore une fois, allons-y doucement quoi, doucement. Vous apportez plus de valeur à une qualification européenne via le championnat ou via un trophée en compétition nationale comme la Coupe de la Ligue. Toujours pareil, t'auras deux discours, ceux qui vont dire en Coupe de la Ligue en trois matchs t'es en finale et ceux qui vont dire ben en championnat ben, tu l'as mérité, t'as plus su, etc. Et je pense que c'est vrai, je pense que le championnat a plus de valeur au niveau du classement. Monsieur Young, je suis curieux d'avoir votre avis. Pour moi, c'est pareil. C'est pareil parce qu'un trophée, ça reste un trophée. Même si ça se joue sur 4 ou 5 matchs, ce sont des matchs couperés. Il faut les gagner. Championnat, on le voit cette année, le championnat il est complètement fou, ils le disent. Et on le dit depuis des mois maintenant, que avec deux victoires, tu te retrouves quasi européen. Avec deux défaites, tu te retrouves 15e. C'est aussi ça qui fait qu'on peut aujourd'hui se permettre de dire pourquoi pas. Mais une coupe, ça, c'est différent. C'est un sentiment différent. Aller dans une finale de coupe, aller au Stade de France, c'est différent. Vous trouvez qu'on est meilleur que l'an dernier ? C'est une question que je vous pose sur le plateau. Honnêtement. Dans certains aspects, certains secteurs. Plus mûr l'équipe, j'ai l'impression. Beaucoup plus mûr, ouais. Et les jeunes, plus aguerris. De mieux en mieux, ouais. Donc on a passé un cap ? Oui, pour moi, on a passé un cap. Non, vraiment. Au niveau de l'équipe. Bien rebondi, M. Young. Au niveau global, oui. C'est pas la même chose, passer un cap. Moi, je trouve que c'est pas passer un cap. C'est qu'en fait, tu t'es renforcé. Tu as remplacé poste pour poste certains joueurs. Tu fais partir un défenseur central. Tu prends Djikou. Tu fais partir un milieu de terrain. Tu prends Bellegarde. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je trouve qu'intrinsèquement, l'équipe, elle est meilleure. Après, il y a eu des périodes où on s'est tous posé la question, savoir ce qui a été vraiment plus forte. Franchement, 10 journées, on était dernier à Marseille. On a tous commencé à serrer un peu les fesses et voir faire dans le froc. On a tous parlé du recrutement, de la qualité des joueurs. On a vite oublié tout ça. Hein. Sauf qu'en 10e journée, quand on était dernier, on a tous dit « Ok, on est dernier, mais au niveau des points, on est loin d'être à la ramasse ». Quand tu vois qu'on était à ce moment-là, on était dernier avec 10 points, si mes souvenirs sont bons, aujourd'hui, Toulouse n'en a que 13. Ouais. Faut aussi le rappeler, quoi. Tu vois, t'es 6e parce que t'as battu Toulouse, qui est dernier, avec 13 points aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près le même nombre de points que nous après 10 journées, et t'as battu Reims, qui c'est une équipe compacte, difficile à manœuvrer, mais une fois que t'as pété le verrou, t'as pété le verrou. Voilà, c'est comme ça, allons jouer un gros là. On va aller. De toute façon, ça va aller vite. Maintenant, on va commencer à jouer les Marseille, les Paris, Lyon, pardon, et tout ça. Ouais, mais en dehors de ces trois équipes. Rennes, Montpellier.
C'est des équipes qu'on peut battre. On peut battre tout le monde, Seb, je suis d'accord. Mais... L'an dernier, on faisait des gros matchs contre les grosses équipes et on avait tendance un peu à sous-estimer les équipes de seconde zone. Cette année, c'est la différence, c'est que c'est pas le cas. Aujourd'hui, on bat les équipes de notre niveau, entre guillemets. Et derrière, la place des gros, bah, elle est devant. Voilà. Paris, Marseille, cette année, c'est plus compliqué à battre. L'année dernière, Paris, bah, on les a tenus deux fois en échec, etc. Mais voilà, on peut rêver de l'Europe, mais ouais, faut pas se mettre à charrier avant les bœufs et aller doucement. Et de l'Europe, on en parle un petit peu dans Alsasport, dans l'interview de Thierry Loret, à retrouver dans le numéro 6 d'Alsasport, du coup, de ce mois de février. Un peu partout en Alsace, que ce soit dans le Haut-Rhin, que ce soit dans le Bas-Rhin et que ce soit à Strasbourg. Voilà, il te reste, il est là, le gratuit. Il me reste. Disponible du côté du Dubliners, bien sûr. D'ailleurs, le programme du Dubliners cette semaine. Alors, il y a mercredi, il y a la coupe avec Lyon-Marseille. Et puis ce week-end, forcément, Lyon dimanche à 15h. Et également les signations où ça représente... Dès ce week-end, je crois qu'il y a une trêve, non ? Ce week-end, il n'y a rien. Et ça reprend le week-end prochain. Exactement. Pays de Galles-France. Jonathan, tu voulais... Non, Max, vous voulez donner son avis, par rapport à tout ça, par rapport à l'Europe. Ah, je fais par rapport au Dublin. Ah, d'accord. Ok, d'accord. On parle foot, non, c'est mieux. Hein. Juste un dernier truc. Oui, il parle beaucoup, monsieur Young. Oui, ce soir, je suis en forme. Il a franchi un cap ce soir. Je pense qu'il y a aussi un truc qu'on est. Les joueurs, je trouve que sur ça, c'est normal. Et le club fait du politiquement correct en disant. Eux, effectivement, ils vont match par match. C'est normal. Mais en attendant, on parle de joueurs qui ont goûté un tout petit peu à l'Europe en début de saison. Et que s'ils peuvent y aller, ils y iront. Mais Seb, tu sais qu'il y a le discours. Alors, t'as raison, il y a un discours qui est policé, hein, si on peut dire, excuse-moi du terme, auprès des journalistes. Mais après, t'as un discours en off aussi, où j'échange avec des joueurs, tu vois. Non, mais je dis tout ce que je sais. Et les joueurs, pour le moment, ils gardent les pieds sur terre. Et je le dis, je le répète, ça sera sur le dernier sprint final. Là, t'es dans une période charnière, t'as raison. On a tous raison, finalement. T'es sur cette période charnière. Et si t'es dans les clous à la 30e journée, là on verra. On verra ce qu'ils ont dans le froc. On parlait de cap tout à l'heure en disant si on bat Lyon et si derrière on enchaîne, là on pourra parler de choses. On verra s'ils ont une demi-molle, comme dit Dimitri Dinard. Alors on a des questions sur ce qui était la petite parenthèse, messieurs. Avant que vous poursuiviez le sujet Europe, Jonathan, où est-ce qu'on peut trouver le magazine près de Célestat ? Qui viennent au bureau directement. Voilà, alors le bureau... Vous envoyez un petit message sur la page Direct Racing et puis on vous répondra. Dans le 68 aussi, Jean-Luc qui nous pose la question. Chez Philippe. Sinon, vous avez toutes les adresses disponibles sur le site internet d'Alsasport. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous avez tous les lieux où vous pouvez retrouver ce magazine et dans le 68 de mémoire, notamment à Colmar, vous avez le Megarex, le cinéma de Megarex où vous pouvez retrouver le magazine. On fait qui ? On fait à genre que le mois prochain, ça vous va les gars ? Parfait. Alors, ça vous intéresse ou pas ? Vous préférez un autre ? Non. Voilà, vous avez la une en direct du prochain magazine de mars. Et puis, il y a la version numérique qui est disponible d'ici quelques jours, si vous n'avez pas la version papier. On va passer, je fatigue un peu, aux questions de supporters. Tu nous fatigues aussi. Et une question qui porte sur l'homme qui est en une, Thierry Loret. Va-t-il être prolongé au Racing Club de Strasbourg ? Messieurs, question de Akiba Lilti. Jonathan, toi qui es dans les petits papiers de M. Keller. Non, en fait, M. Keller, je ne suis pas du tout dans les petits papiers. Je ne pense pas. Je suis plutôt... enfin bref. Pour revenir à ça, la question elle est intéressante parce que je pense que c'est le bon moment pour se la poser. Et en plus, hier soir, il y avait sur RMC Sport dans l'after avec Gilbert Bribois, ils en parlaient, ils évoquaient que peut-être c'était le moment de changer d'entraîneur, patati patata. Moi, je pense que ça serait le bon coach à conserver. Il faudrait lui laisser sa chance avec une équipe encore plus compétitive que cette saison. On a des sous qui sont entrés dans les caisses. Si tu prends une belle enveloppe, tu vas pouvoir recruter beaucoup plus que tu n'as jamais recruté au Racing Club de Strasbourg, qualitativement. Donc moi, je suis vraiment pour. Mais est-ce qu'il va prolonger ? On lui a posé la question. Hein. Ce n'était pas d'actualité pendant le mercato. Maintenant, le mercato est clôturé. Le maintien est quasiment acquis mathématiquement. Enfin, mathématiquement, non, parce que même à 42, il ne sera pas acquis mathématiquement. Mais tu connais la barre. Bien sûr. Je pense que c'est important maintenant d'y aller et je pense qu'il faut lever tous les doutes parce que je pense qu'il y a besoin de certitude auprès de tout le monde, que ça soit auprès du message que t'envoies auprès de tes joueurs, auprès de tes supporters. Je pense que là, ça serait une bonne idée quand même que Marc, dont je ne suis pas dans ses petits papiers, aille toquer à la porte de Thierry pour discuter du contrat. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que Thierry Loret en a pris énormément de critiques en début de saison.
un sondage sur le site RacingStube, qu'on salue. 85% des sondés, un peu plus même, voyaient Thierry Loret prolongé au moins un an. C'est pas le même. Je me permets, après je vous laisse vraiment toute la parole. C'est, le RacingStube, il faut savoir que ce n'est pas le même public. C'est un public d'averti, c'est un public de la plupart, ils ont notre âge, à peu près 35. T'as pas de jeunes, je dis gamins, c'est pas vulgaire, hein, les jeunes. Hein. Mais je veux dire, t'as pas de jeunes de 17, 18 ans, c'est rare. Et ils savent comment ça fonctionne. Ils savent que la stabilité au Racing, on l'a jamais eue. Ou très rarement, de manière très éphémère. Aujourd'hui, on a cette chance. Gardons-le. Qu'est-ce qu'on a à perdre de le prolonger 2 ans? Si ça va pas, tu vois, son contrat, si au bout de 6 mois tu le licencies, il lui reste 1 an et demi, ça te coûte pas bézef. Mais par contre, derrière, tu lui laisses une chance. Et moi, je suis pas pour qu'un entraîneur qui remplit toutes les cases de ses objectifs soit pas prolongé. Mohamed, ton avis? Déjà, on Keller, sur Thierry Loret. Déjà, Keller, il est pas là pour faire plaisir aux supporters. Il est là pour trouver la bonne alchimie dans le groupe et les résultats. Aujourd'hui, il a eu des objectifs en début de saison. Je pense qu'il est dans les clous, voire au-dessus. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on parlerait de changement. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir si Thierry Loret, lui, veut rester. Ça, c'est la question inverse qu'il faut se poser. Parce qu'à mon avis, vu les résultats et les saisons qu'il fait là depuis 2-3 ans à Strasbourg, je pense qu'il est dans l'œil de pas mal de clubs. Mais je ne pense pas me tromper. À mon avis, les demandes vont affluer. Donc après, voilà, c'est toujours pareil. C'est l'offre, la demande. Savoir s'il se sent bien ou pas, s'il a la confiance du président. Mais moi, je pense que ce serait une grosse erreur de se séparer de Loret. Sauf si, bien sûr, c'est lui qui veut partir. Là, c'est encore autre chose. D'ailleurs, où en est votre nouvelle activité d'agent de joueur, monsieur Mohamed? Alors là, j'ai placé une joueuse en date qui n'avait pas mangé pendant 35 jours aussi. Donc elle avait faim. Donc elle est arrivée sur le terrain et elle a mis un doublé. Elle a mis un doublé, ouais. Donc pour la petite parenthèse, c'est moi qui ai contacté l'entraîneur de Van der Leyen, Nicolas Bott, que je connais. Et j'ai parlé d'une amie de Koh-Lanta qui faisait du foot à Saint-Malo, donc en deuxième division, hein, et que ça se passait plus trop bien dans son club avec son entraîneur. Et puis elle est venue faire un essai. Et c'est concluant, et elle a signé pour le reste de la saison, voilà, pour la petite histoire. C'est un mec en or, hein. Mais vraiment, hein, non, mais je suis sincère, voilà. Hein, franchement, ça fait partie des belles rencontres de la vie, et voilà, c'est important. Donc on a rencontré une personne sur une île déserte que j'ai moi-même éliminée, faut le savoir. Hein. Et derrière, voilà. Putain, le bâtard. Voilà pour le chien. Voilà. Le mec, la vraie vie. Mais non, il s'en veut, mais regarde, en fait, c'est de la pitié, le mec. La vraie vie, aujourd'hui, c'est ça. Et c'est là qu'on voit qu'on est tous des adultes respectueux et que la vraie vie, elle continue. Donc, effectivement, voilà. Beaucoup de respect. Et beaucoup de respect pour monsieur Brenner qui nous fait l'amitié de revenir et qui a quissé les propos de Mohamed sur l'intérêt possible de certains clubs pour Thierry Loret. Et est-ce que Thierry Loret serait intéressé pour un nouveau challenge au Racing? Moi, je suis d'accord avec Momo. Je pense que si Thierry Loret n'est plus au Racing la saison prochaine, c'est pas forcément la volonté du Racing lui-même, mais je pense plus des offres effectivement de l'extérieur pour ce coach, parce que mine de rien, c'est vrai qu'il fait du bon boulot. Les critiques début de saison, je trouve qu'elles étaient un peu dures, mais c'est comme toujours pareil sur les réseaux sociaux, même avec les joueurs, c'est souvent pas forcément très fondé, mais il fait effectivement un excellent boulot. Après, je me pose peut-être quand même la question, c'est pas la saison de trop, pas pour lui, mais peut-être avec les joueurs en lui-même, parce que c'est vrai que bon, en tant que joueur, mais un petit niveau amateur, un coach qui est aussi présent à chaque fois au bord du terrain, je sais que des fois ça agace un petit peu, il y a un peu des réactions, souvent il y avait Lala ou Lienard qui avaient des réactions un peu véhémentes, mais si effectivement le vestiaire est encore avec lui une saison encore en plus, pour moi c'est l'homme de la situation. Mais encore une fois, on n'est pas forcément avec eux au quotidien, mais sinon c'est l'homme de la situation pour la saison prochaine, ouais, très clairement. Et pour conclure le sujet, monsieur Young. Bah, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça n'a pas encore été fait? Après, est-ce que... Voilà, ça y est, il y a la petite polémique. Non, mais pourquoi ça n'a pas encore été fait? D'ailleurs, j'étais sûr qu'il dans le sens, un truc... on n'est pas, pas nous dans le secret du club. Est-ce que c'est le club qui veut pas? Est-ce que c'est justement Loret qui veut pas? On ne sait pas. On ne sait pas. L'objectif, c'était le maintien. Donc, aujourd'hui, on n'est pas encore assuré, donc même si on n'est pas loin. Aujourd'hui, on parle maintenant, c'est pas le moment. Moi, parce que si tu prolonges un entraîneur... On va dire, par exemple, début de saison. Tu le replonges de 2 saisons. Tu te retrouves dans la merde. Tu es en train de lutter pour le maintien, pour le licencier. Un club comme Strasbourg, qui à ce moment-là n'a pas vendu Fofana, financièrement, ça va lui coûter un bras. Je me rappelle de l'Olympique de Marseille, qui n'arrivait même pas à virer Garcia par rapport à ça. Hein, et on parle de l'OM. Tu vois, donc je me dis qu'il y a beaucoup de paramètres. Et c'est quelqu'un d'intègre, Loret, tu vois. Loret, je pense qu'il a dit, on va attendre. Parce que, mais pour lui aussi, d'ailleurs, s'il remplit ses objectifs derrière son contrat... Il vaut pas le même. Il vaut pas le même que si jamais était avant, tu vois. Et c'est justement là où j'allais en venir, c'est que justement on n'entend rien. Ouais. Souvent il y a quand même des échos, des sauf échos. Quand il y a pas d'agent.
sauf quand il n'y a pas d'agent. Mais il y a quand même souvent y a des petits échos et tu en aurais peut-être déjà eu ou je ne sais pas. Maintenant, il faut juste laisser faire, comme tu as dit. Les objectifs, bon, ils sont remplis. Et je pense que ça va se décanter dans le mois qui suit. Dans le mois qui suit, on saura s'il reste ou pas. On sait. Ça serait une erreur de le faire partir. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir non plus. Hein. Ouais, c'est sur la question. L'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs. Donc, tu fais mieux avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu fais venir même un grand entraîneur international si tu as cet effectif-là? Est-ce que tu fais beaucoup mieux? Moi, je donne mon avis personnel, vous ne serez peut-être pas d'accord, peut-être plein de gens qui ne seront pas d'accord. Et d'ailleurs, on peut ne pas apprécier un coach, on peut remettre en question ses choix. Après, il y a toujours des limites. Envoyer des courriers à un coach chez lui, je trouve ça dramatique. Moi, je trouve que ce n'est pas une attitude à avoir. Moi, je n'envoie pas des courriers à des gens parce que je ne les apprécie pas. Bref. Après, Loré, pour moi, c'est quelqu'un qui a une culture foot, qui a une connaissance incroyable. Et il vit pour ce métier. Mm. Quand on lui a posé la question, il ne fait pas demi-mot, il n'est pas Quand il te dit on verra, c'est on verra quand le maintien sera acquis, quand le mercato sera terminé, là, on en parlera. S'il te dit ça, c'est clairement que c'est une vérité parce que ce n'est pas quelqu'un qui va. Il est franc, il est trop franc du collier, ce mec. Et tu vois, et ça, il y en a combien dans le football? Il envoie des punchlines aux journalistes. Mais il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi? Est-ce qu'à tel journaliste, il envoie une punchline? Moi, il m'a rentré dedans un petit peu parce que j'ai posé une question, je sais plus sur quoi. Et il m'a dit, non, mais là, attends, il me dit, tu vas me faire croire qu'on est un peu trop près. Tu vois, mais on s'en fout, c'est oublié. Mais à ceux dans qui il rentre vraiment, c'est qu'il y a une raison. J'ai envie de rentrer. Souvenez-vous de Furlan, quoi. Non mais voilà, ça peut être voilà. Voilà, maintenant j'ai plus dormir de la nuit. Voilà quoi. Non mais j'en reviens à ce que je disais avant, c'est qu'aujourd'hui c'est un bonheur les interviews etc parce que tu sens que t'as que des gens francs, que ça va de Loré jusqu'à tous les joueurs, tu le sens. Pas de langue de bois. Il y a pas de langue de bois. Et passionné. Mais je pense que ça va se décanter. Voilà, aujourd'hui il a 36 points. Je pense qu'il y a cette fameuse barre des 40 points à atteindre. Et puis ça se décantera derrière, en bien ou en mal, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes du même avis, je le trouve bien meilleur communicant cette saison. Parce qu'en début de saison dernière, il y avait des sorties qui étaient un petit peu Il a évolué aussi, hasardeux. il a appris de ses erreurs. Voilà, je veux dire... Franchir une cape, non mais c'est vrai. C'est aussi son rôle, il s'est adapté au club aussi. Franchir une cape. Voilà. Ah oui, mais en même temps, il prend. Je sais plus où il parle de ça et dit qu'il a pris du recul. C'est qu'il y a des choses qui l'atteignent. Tu vois, alors lui, il va pas forcément sur les réseaux sociaux, il en a pas. Oui. Mais il a des enfants, il a une femme. Et ça lui revient aux oreilles. Et d'ailleurs, j'entendais Dugarry avant qui disait ça sur RMC. Il disait, ils nous lisent pas, ils nous écoutent pas, mais on leur répète et ça les atteint forcément. Et c'est pour ça que des fois, il y a des mots qui sont pour moi pas normaux. Moi, je vais pas sur les réseaux en traitant. Enfin, je dénigre pas la capacité de certains. On juge c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes, hein, ou pas. Hein, voilà. Après, il sait très bien que ça fait partie du job, entre guillemets. Ouais, mais t'auras toujours, vu que c'est un vrai, des ouais, mais quand c'est un vrai, mais moi, toujours. Mais quand ça prend, t'es un homme de télé, t'es un homme important comme lui, bah forcément, il y aura des critiques. Il va perdre 3 matchs, ça va être le plus pourri. Il va être devant, ça va être le meilleur. Mm. C'est un peu la mentalité française, désolé de le dire, c'est comme ça. Momo, quand t'étais à Koh-Lanta, est-ce que t'as lu les commentaires qu'il y avait sur toi, par exemple? Est-ce que t'es allé chercher? Alors, je vais t'expliquer. On a été formé pour le service communication, d'accord, de TF1. Et ça peut être très méchant, attention. Hein. Donc, ça reste une émission très regardée, etc. Et attention, j'en ai pris dans la gueule. Mais comme tous les candidats. Donc, j'ai pris des insultes racistes, j'ai pris de tout. Et ça reste une émission télé, un jeu télévisé. Hein. Il y a pas d'engouement derrière comme le Racing avec un public aussi large. Y a rien. Tu joues pour toi, mais derrière tu te fais massacrer. Voilà. Mm. Donc, mais en allant là-bas, je le savais. Donc ça faisait partie du jeu. Ouais. Donc il y a des gens qui arrivent à le supporter, qui ont le dos large et qui font avec. Et t'en as d'autres derrière qui vont s'enfoncer et qui peuvent justement risquer d'entrer dans une dépression ou autre. Mm. Mais après voilà, c'est une question de préparation, de caractère, de force, de nature, etc. Mais voilà. J'ai pris des insultes, j'en ai pris pas mal. Ouais, je comprends. Moi, sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter, particulièrement, je me suis fait éliminer par Cyril, qui est homosexuel. On m'a traité d'homophobe. Voilà, mais c'est la France qui est comme ça. C'est quoi que tu fasses? Et moi, je vais dire une chose. À partir du moment où on parle de toi, en bien ou en mal, le plus important, c'est qu'on parle. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, Moi, je reste toujours dans le même principe. Et sur Twitter, particulièrement, c'est vrai que j'en ai déjà pris dans la gueule. Twitter, ça m'a mis dans le dur. Moi, je le dis, ça m'a mis dans le dur dans ma vie personnelle, dans mon quotidien. Mais en fait, la réflexion, c'est putain, si ça vous plaît pas, vous venez pas. Si Direct Racing, c'est pas là à votre hauteur, ça répond pas à vos attentes, vous vous cassez. Il y a 50 000 autres pages qui parlent du Racing Club de Strasbourg, tu vois. D'accord avec toi. À un moment donné, personne ne te dit, mais pas le Racing. Le Racing est encore différent. Ils estiment que le club leur appartient, parce que c'est Strasbourgeois, c'est leur club, c'est leur identité, etc.
Donc le coach, ben derrière, s'il merde ou s'il fait une réaction qui est pas bonne, ben derrière il va se prendre des insultes, des menaces, etc. C'est malheureux. Mais c'est trop facile. Non, mais c'est trop facile. Moi, je suis désolé. Je trouve ça trop facile. C'est pas parce que. Non, mais c'est quoi? C'est parce que c'est la société qui. Non, je suis pas d'accord. Mais derrière, ils sont pas d'accord. Toi, t'apprends à tes enfants d'être correct, poli, machin. Mais ça fonctionne comme ça aussi sur les réseaux. Putain, on manque pas de respect aux gens. Les trois quarts des gens qui t'insultent sur les réseaux sociaux, c'est les premiers à te serrer la main ou demander une photo dans la rue. Faut pas l'oublier. D'ailleurs, avant, on peut prendre une photo après ensemble. Moi, j'ai juste un truc à dire par rapport à Direct Racing. Hein, oui, d'ailleurs, et surtout qu'on vous demande beaucoup de photos, monsieur Young. Ah bah. Je le sais, ça. Non, c'est pas vrai. C'est, à chaque fois, on me demande où vous êtes, monsieur Dupont. Souvent, les photos en garde à vue, hein, ça dépend. Non, mais je. On fait une émission, on dit ce qu'on pense. Si ça plaît pas. Bah, on n'est pas obligé d'insulter les gens. C'est pas parce qu'on dit quelque chose qui va pas vers les gens, notamment quand on a eu un débat pour un déplacement à Metz, si ça plaît pas, on n'est pas obligé d'insulter. S'il a quelque chose à me dire, qu'il vienne me le dire. Non, mais il y a une phrase de Kerry James qui a été sortie il y a une semaine, qui a tout son sens, qui dit on peut pas plaire à tout le monde, sauf si on est faux cul. Tu peux pas plaire à tout le monde, c'est pas possible, ça n'existe pas. On pourra jamais être d'accord avec tout le monde. On va clôturer le débat sur. T'as des comptes à régler là aussi. sur ce qu'a donné ce débat. On parlait un peu de dépression, messieurs. On va continuer de parler dépression. Oui, alors il y a des gens qui disent, il y a aussi des gens qui disent des choses sympas. C'est vrai d'ailleurs, heureusement d'ailleurs. C'est toujours la majorité. C'est vrai. On oublie souvent les gens qui encouragent et qui. Mais voilà, on a tellement de. Effectivement, il y en a de plus en plus. Là, j'en vois s'afficher. On va continuer à parler dépression, on va faire le tour de la Ligue 1. Il y a des choses à dire en plus sur la Ligue 1, ce week-end, vous êtes vraiment pas... Alors c'est peut-être le meilleur week-end Ligue 1. Hein. C'était peut-être finalement. Moi j'ai bien kiffé le Ligue 1. En tout cas le dimanche était fourni. Le vendredi, samedi aussi. Les résultats... Vendredi. Les résultats de la 24e journée de Ligue 1, avec donc, ça avait démarré avec le succès de Lille du côté d'Angers. Le succès de Marseille, petit succès face à Toulouse, la victoire de Monaco à Amiens 2-1, le match nul 3 partout entre Dijon et Nantes, la victoire surprise de Nîmes à Angers, c'est dur en ce Nîmes moment qui revient pour Vira, et c'est Nîmes qui a un peu relancé la course, en tout cas pour la place de barragiste. La victoire de Bordeaux à Metz qui fera plaisir à de nombreux supporters du Racing Club de Strasbourg, le nul entre Rennes et Brest pour le derby breton, la victoire courte de Montpellier face à Saint-Etienne dimanche, donc c'était hier 1-0. Et donc la victoire du Racing face à Reims, on en a longuement parlé. Et le Paris Saint-Germain, 4-2, dans un beau match, en tout cas une belle deuxième mi-temps entre les Parisiens et les Lyonnais. Qu'avez-vous retenu, messieurs, de ce week-end de Ligue 1? Tout. Tout, ouais. Moi, j'ai tout retenu. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir Dijon. Il y avait Dijon, Metz, hein, Metz qui mène rapidement, qui se fait retourner. Amiens qui mène 1-0 jusqu'à 85e, qui perd 2-1 face à Monaco. C'était une très belle journée de Ligue 1 avec du suspense. Hier, j'ai pris du plaisir à voir Paris-Lyon. J'ai vu quand même, quand le rouleau compresseur Paris s'est lancé là pendant 20 minutes, c'était du haut de gamme. Après, en deuxième période, voilà, il y a eu ce but qui a un petit peu relancé le tout. Mais voilà, c'était une belle journée de Ligue 1. J'ai vraiment vu un CSC aussi beau, moi. Il était. Non, mais moi, j'ai. Incroyable. Moi, j'en pouvais plus devant ma télé. Non, mais c'est. Putain, il a fait. J'ai mis pause, j'ai mis replay, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il y a eu un coup monté, il y a eu un truc, il y a eu. Non, mais c'était un gag. Si dans 3 semaines, on dit qu'il y avait. qu'il y avait des pots de vin derrière ce but, je pourrais le croire. Je pourrais le croire. Il était beau, monsieur Young. Que retenez-vous de ce week-end Ligue 1? Bah que tous les résultats étaient favorables pour nous, quasiment, par rapport à notre victoire. Et que là, on est vraiment, on le dit depuis 2-3 semaines, c'est une période charnière. On sent que ceux qui veulent être devant, ils lâchent les chevaux et on va essayer d'être devant. Que ce soit Lyon, Lyon, ils perdent 4-2, mais tu sens que maintenant, ils vont lâcher les chevaux, il y a quelque chose. Ils ont quelque chose. Monaco, c'est pareil. Lille, c'est pareil. Et on sent que les équipes qui sont derrière, ils sont en train de. Et les équipes qui sont derrière sont en train de tout donner pour essayer de se maintenir. On sent que vraiment on est. Ce qui est dingue, c'est que l'autre, il s'est enfin réveillé, il a mis Slimani. Quoi. Merci, j'allais le dire. Quel aveugle. Tu peux pas être aveugle en 5 minutes, ça a été bénéfique. Ouais, je comprends pas comment tu fais. Mais là, je pense qu'il a compris. J'espère. C'est vrai que c'est un des enseignements de ce week-end, j'allais dire, Slimani, Ben Yedder. Je pense que là, ils vont jouer ensemble. Autre enseignement, on va pas rentrer dans le détail de chaque match, mais c'est vrai, le match Paris-Lyon, un Cherki qu'on met en avant, 16 ans, voilà, potentiel énorme. Alors c'est sûr, il a un gros potentiel.
potentiel. Mais on voit que quand même dans des matchs comme ça, hein, le pauvre, il n'a pas existé. Il a même réussi à faire 2-3 dibs cadenassés par un Kurzawa. C'est pas non plus le meilleur défenseur. Ouais, c'est clair. On voit que voilà, on peut pas trop s'enflammer non plus. Il a pas la même équipe autour. Ouais, une grosse marge de progression. Mais il y a quelque chose, quoi. Enfin, il y a un petit quelque chose. Après je pense que des Mbappé, il n'y en aura pas tous les ans, hein, ou tous les deux ans, tu vois. On connaît la presse. Des joueurs qui ont été défenseurs. Il a eu 50 ans. Ouais, mais le petit Cherki, moi, je pense qu'il y a. En passant par le Martin Sochaux, on sait où il est aujourd'hui. Donc c'était le pire. Meilleur exemple. Mais c'est clair, ils sont. Mais c'est bien pour ces jeunes. Paris FC. Genre de match. Ça permet de redescendre. Après Lyon, on sait qu'ils ont un réservoir de jeunes. De vivier énorme. Ouais. Non, mais c'est clair, la formation à Lyon, tu vois, on peut critiquer. Un Olas, je vous dis, c'est costaud. Les mecs, ils ont vendu Touzard, là, je sais pas combien. Là, c'est 25 millions. Olas, c'est très fort. Et puis Nîmes, 909 en points, c'est une belle remontada, je suis vraiment content. Nîmes, je m'inquiète pas trop, ils ont ce côté. Nîmes, je m'inquiète pas, ils ont cette grinta dans le club, cette mentalité de gagnant. Mais t'as vu qui met le deuxième but ? Philippe Auto, il se fait déchirer. Mais quand je te dis déchirer, la cheville, elle a fait un 90 degrés. Ouais. Et le mec, il te met un but, il boite en célébrant, tu vois, et après il sort. Enfin, j'ai trouvé à l'image du capitaine de Nîmes, hein, Pablo, d'ailleurs, qu'on a beau Racing, hein, voilà ce qu'il y a cette grinta. Ouais. En parlant d'anciens Strasbourgeois et on parlait de Monaco, Fofana, il se débrouille. Ah ouais, belle. Pas si beau début. Ça, hein. Beau début. Très bien. Ouais. Il y a un ancien de Strasbourg, il y a Sacco qui a marqué avec 3 ce week-end aussi. Ouais, puis mine de rien, quand nous on a joué Monaco, tout le monde les voyait la tête sous l'eau. Ils sont là. C'est différent. Regarde l'intelligence. Mais regarde l'intelligence de Daoulou. Ils sont regarde, pas loin. Regarde l'intelligence de ton président quand même, parce que sur le plan très business, c'est ce que j'ai dit, encore une fois une machine de guerre. Le mec avec Monaco, il savait qu'ils allaient les mettre les 15 millions à un moment donné. Hors bonus. Il savait qu'il allait les mettre. Et il a attendu ce match. Et Fofana en plus fait un gros match sur ce, tu vois. Donc finalement, le mec est 200. C'est très bien vendu. Et 15 millions d'euros, il a eu raison de le faire. C'est trop beau. Voilà, on va regarder encore le classement de la Ligue 1 après cette 24e journée pour clôturer cette émission avant le quiz, bien sûr. Le Paris Saint-Germain, seul devant, forcément 61 points. Marseille, 49 points et qui prend encore un peu plus d'avance sur ses poursuivants. Ouais, c'est bien. Rennes et Lille en vue de la deuxième place de cette Ligue 1 qualificative directement pour la Champions League. Le Racing 6e, en bas le coup d'œil, donc Nîmes qui fait la bonne opération de cette journée, les Nîmois qui reviennent à un point de Dijon. Nîmes toujours. Petit pronostic pour la descente juste. Oui. Vous voyez qui ? Alors, Jacky du Guépérou parlait de Amiens et Toulouse il y a quelques semaines. On voit que c'est bien ces deux équipes-là. Il a été conforté, Lucas Elsner, là d'ailleurs, par son président ce week-end, mais... Ouais, c'est compliqué parce que j'avais prédit Nîmes quand même à un moment donné, tu vois, ça décollait pas, mais là ils te prennent 9, mais tu vois comme quoi le foot ça va tellement vite. Dans les deux sens, tellement vite, et c'est ce qui fait la beauté du football, hein, avec la victoire à 3 points, mais Amiens, ça me paraît quand même compliqué, hein, parce que même s'ils mènent rapidement, ils peuvent dire merci Lecomte, hein, gardien de Monaco, hein, ils peuvent lui dire merci, hein, Lecomte avec sa grosse boulette. Toulouse pour moi c'est déjà réglé, hein, 13 points, même s'ils sont bons ils perdent, alors ça en dit long. Et puis après, par contre, Saint-Etienne, il va falloir qu'il se réveille parce que je te mets une pièce qu'un entraîneur qui se fera virer prochainement ne sera pas Lucas Elsner, mais ça sera peut-être plus elle. Hein. Je pense que là. Effectivement, c'est Toulouse qui a. C'est compliqué de coacher à Saint-Etienne. Quand tu as deux présidents déjà, c'est jamais simple pour un coach, mais là, c'est encore plus compliqué. Quoi. En régie, on me demande de parler d'une grande compétition, la Coupe de France, qui va démarrer les quarts de finale dès demain. Mais on m'a demandé... S'en fout, on joue pas. Donc, le Racing éliminé il y a quelques semaines du côté de Marseille, l'OM qui se déplace à Lyon dès demain. Et ça, on va en parler forcément dans l'émission de jeudi, dans l'avant-match de ce Lyon-Racing. Belfort, les Belfortins qui seront opposés à Rennes, Dijon face à Paris... Et puis les Spinaliens, ça c'est encore c'est le CFA Tour, j'ai envie de dire. Ouais. Le CFA Tour du Racing entre Belfort et Épinal, deux clubs qu'on connaît bien, deux stades qu'on connaît bien du côté des supporters du Racing Club de Strasbourg qui sera opposé donc à Saint-Étienne. Lienard assistera au match de Belfort. Hein. Ouais. Poser la question et allez Belfort Épinal, hein. Faites-nous rêver. Heureusement qu'on c'est pas bon parce qu'il faudrait peut-être que Rennes gagne la coupe au cas où. Heureusement qu'on n'a pas passé Marseille, on aurait fait une semaine à Lyon là. Ouais. Messieurs, le quiz, 7 questions, et je crois qu'on va battre le record de l'émission la plus longue ce soir. Ah bon ? Quelle heure ? Il est 25. On va accélérer. Comme quoi, on prend du plaisir. Comme quoi, on prend du plaisir, ça passe vite. En tout cas, et vous êtes très nombreux. On a plaisir. Et nombreux ce soir. Merci pour votre présence et puis pour tous vos commentaires. C'est parti pour le quiz.
En lien avec le débat de tout à l'heure sur l'Europe, eh ben oui, on s'est replongé dans les archives du Racing et des compétitions européennes. Le mec, il nous sort un cul sur l'Europe à la quatrième journée. qu'est-ce que je vais faire, moi, si on fait un quiz fin de saison, qu'on est qualifié en Europe, on fait un quiz sur quoi ? La Coupe d'Europe. Bah, on sortira peut-être les questions. Messieurs, question de rapidité. Ouais. Question de rapidité, je le précise maintenant à chaque fois, merci. Chaque question. Merci pour votre transparence. Sont connues pour tout le monde. À quelle saison remonte la dernière qualification européenne du Racing Club de Strasbourg ? 2005. On ne parle pas, monsieur Elbling. T'as dit récusereux. Oh, on ne parle pas, on laisse terminer la question parce qu'en plus, vous foirez la question. Vous foirez tout seul, monsieur Elbling. Parce que c'est en championnat. Exclu. Via le championnat. On laisse terminer la question. 98. Et monsieur Young, vous avez aussi répondu, vous êtes éliminé. 98. Donc ça se joue entre... Ça se joue entre... 97. Vous prenez une tisane. Hein. Et 97. 97, 98. 97. 96. Oh, vous étiez pas loin, monsieur Brenner. 95. Oh, vous étiez 95. Pas loin. 94, 95. Ouais, 95. Le Racing Club de Strasbourg, sous la houlette de Jackie Duguay-Pérou, avait terminé 9e place qualificative en Coupe Intertoto, qu'il remporte. Ouais, mais en fait, t'es pas qualifié directement en Europe parce que l'Intertoto, c'est pas. C'est une compétition européenne, mon cher Elbling. Et c'est dans l'intitulé de la question. Bon, personne n'a le point, on s'en fout. Hein. Voilà. C'est dans nos trophées. Hein. Deuxième question. Combien de participations en compétition européenne pour le Racing ? Ça n'est pas une question de rapidité. Tour de table. Mohamed. Combien de fois ils sont qualifiés ? Combien de matchs ils ont joué ? Non, combien de. Ça viendra par la suite. Combien de participations ? De participation. À une phase finale ou alors En compétition européenne et donc on tient compte du barrage, des barrages de cet été. 11 fois. 11 pour Mohamed. 14. 14 pour monsieur Young. Monsieur Brenner. Je dirais pas autant moi. 8 fois. 8 fois pour monsieur Brenner. 10. 10. Le plus proche, c'est monsieur Young. 15 participations. Ah ouais, 15 participations du Racing Club de Strasbourg, donc une en C1, bien sûr, une en C2 après la victoire en Coupe de France, lorsque la Coupe de France était qualificative pour la C2, puisque en 2001, la C2 n'existait plus. Et c'était la C3. 6 participations pour le Racing Club de Strasbourg en C3, 7 en Intertoto, 3 en Ville des Foires. Et oui, on est remonté jusque-là, et une compétition qui s'appelait l'International Food Cup dans les années 50, qui était l'ancêtre de la Coupe Intertoto. Moi, je demande vérification de réponse. Ah, ça a été vérifié, monsieur. Par Maître Capello. Troisième question, tour de table, encore une fois, combien de matchs disputés par le Racing Club de Strasbourg en compétition européenne ? Oula. Oh. 15 participations, on a donné un 10. Monsieur Elbling, on commence par vous. 84. 84. Monsieur Brenner. 92, d'après mes calculs. 92. T'as une naissance. Monsieur Young. C'est ça. Bah oui. Je me rappelle de la page dans le Data Racing, mais je crois qu'on n'est pas loin de ça. Donc là, je vais monter un peu plus. 96. 96 pour Sébastien. 88. 88. La bonne réponse, c'était... Combien votre réponse ? 84. 84. C'est 81 matchs. Pour le Racing Club de Strasbourg, naissance et c'est monsieur moi, c'est Elbling. Calcul. Un point pour monsieur Young, un point pour monsieur Elbling. Quatrième question. Je savais que l'année dernière, on avait 70. Tour de table, bien sûr. Combien de victoires pour le Racing Club de Strasbourg en compétition européenne sur ces 81 matchs ? Un bon petit tour de... Ferme ta gueule. 81. Allez, vous avez la bonne réponse, monsieur Elbling. C'est à vous de commencer. Vous aviez la bonne réponse. Quoi, laissez commencer les autres. Hein. Attends, faut que je fasse des calculs. Il y a la main. Faut que je fasse des calculs. Bon, quelqu'un veut se lancer, Mohamed ? 25, je veux dire. 25. On a 84 matchs, on va dire 51. 51 matchs, victoire. Ouais. Mais pourquoi pas ? Bon, je vous dis déjà, c'est pas ça. Monsieur 33. Brenner, c'est pour laisser un 33. Monsieur Liverpool, remember Liverpool, une victoire, une défaite. Même si t'es tous les buteurs. L'Inter de Milan. 24. 24. C'est 37 victoires. C'est Monsieur Brenner qui remporte la manche. Donc un point pour Monsieur Brenner, un point pour Monsieur Elbling, un point pour Monsieur Young. Mohamed. Eh ouais, je suis à la ramasse. Faut revenir dans le game. C'est pas comme ça. Cinquième question.
rapidité. Si vous avez cette bonne réponse, quel adversaire a le plus de fois affronté le Racing Club de Strasbourg en compétition européenne? Inter de Milan. Inter de Milan. Quelqu'un a-t-il une autre réponse? Attends, laisse-nous un petit peu de temps, hein, s'il te plaît. Quel adversaire? Ouais, quel adversaire? C'est rapidité, c'est rapidité. Quel adversaire le Racing Club de Strasbourg a-t-il le plus de fois l'Ajax. L'Ajax. L'européenne. Les Rangers. L'Ajax. Glasgow. L'Ajax. Eh ben, personne n'a la bonne réponse. C'est l'AC Milan, messieurs. C'est Milan. Sept fois. Ça va, j'ai dit Milan. Sept fois l'AC Milan. Sept fois. Mais à FIFA ou alors en vrai? Alors, il y a eu plusieurs confrontations en Coupe des Fois, effectivement. Mais il y a eu aussi l'AC 3 en 95. On l'oublie. Non, celle-là, je l'ai pas oublié, celle-là. Hein, mais c'est les autres que j'ai oublié. On l'oublie souvent. Et juste derrière, il y avait Bâle. On a un truc qui me stresse. Ah, Bâle, exact. Ton... exact. Ah ouais, Bâle. C'est 3. Putain, ton cuisine, il me stresse tellement que je commence à avoir un bouton de fièvre. Question à nouveau de rapidité. Personne n'a la bonne réponse sur cette question. Quel est le seul club, et on termine la question, sinon vous êtes éliminé. Quel est le seul club français qui a affronté le Racing Club de Strasbourg en compétition européenne? Metz. Bordeaux. Metz. La bonne réponse est à Monsieur Jung. Effectivement, le FC Metz. Demi-finale Intertoto. Intertoto. Demi-finale Intertoto 95. C'est bon. Et si vous avez le score 4-0. Un point de bonus. Tu te souviens, un match? C'était sur match aller-retour. C'était victoire. Non, ah non, c'était sur match sec. C'était sur match sec, victoire du Racing Club de Strasbourg. 0-2. 0-2. Et apparemment, vous avez beaucoup de souvenirs de ce match-là. Et c'est la dernière question. Donnez-moi les joueurs strasbourgeois qui composaient le 11 de départ de ce match. Quelle année? 95. Et je peux vous dire que ce 11 de départ, il fait rêver. C'est vrai que je l'avais vu. Je commence ou j'ai donné. Allez, Mostovoy. Mostovoy, c'est bon pour Monsieur Jung. Bah, chez qui ensuite? Mohamed. 95. Leboeuf. Leboeuf, c'est une bonne réponse. On tourne à Monsieur Elbling. Sauzet, c'est une bonne réponse. Monsieur Conrad. Monsieur Conrad, qu'on salue d'ailleurs. Rien pour ça alors. Salut, Monsieur Brenner. Quand on vous dit à peu près 0% de ressemblance de l'oreillette, c'est vrai. Franck, c'est vrai. On regarde pas les commentaires. Allez. Marc Heller. Marc Heller, bien sûr. De souvenir, c'était Cormain Boeuf, le gardien de but. Et non. Non. Éliminé, Monsieur Jung. Mohamed. Zitelli. Zitelli, c'est une bonne réponse. Monsieur Elbling. Nouma. Nouma, non. Éliminé. Putain, c'est après Nouma. Ouais. Monsieur Brenner. Alors, il reste 3 défenseurs, il reste des milieux de terrain. Un gardien, on l'a dit. Et il reste un gardien. 3 défenseurs, tu m'as dit. Il reste 3 défenseurs, 2 milieux de terrain et un gardien. 95. Allez. Je vois bien en arrière-droit, Soucho Parek. Non, Soucho Parek, c'est... Putain, on pas. T'as pas encore gagné, il faut que tu aies une bonne réponse. Et tu dois... Sinon, il est remis dans le truc. Sans hein. Eh oui. Non, c'est vrai. Ouais. Il a vu son téléphone. Sérieux? Non, sérieux. Il a pas été cité, d'accord. Vas-y, tu remets Okpara. Ah non, c'est après ça aussi. Mais non, ça va pas te porter. Allez, vas-y, repars, prends un tour. Non, chez moi, tu rigoles ou quoi? J'avais dit 27, vous m'aurez dit, t'as triché. D'accord. Tu m'as fait le coup. Tu l'as pas dit avant 27? Tu m'as fait le coup sur le meilleur buteur. Personne l'a dit. Je l'avais. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Tout le monde qui est remis en cause, ils ont tous faux là. Non, c'est moi, j'avais dit quand même. Brenner qui revient. Qui reprend la main. Effectivement. Donc, ma gueule ou quoi? Vous êtes éliminé, monsieur. Mais moi, j'ai pas de portable. Et monsieur Elbling sont éliminés. Mais ils sont éliminés, ils se sont plantés dans le même tour. Non, vous êtes plantés dans le même tour avant et. C'est pas vrai. Moi, je demande le voir. Arrêtez, mais ça, de toute façon, c'est Turpin, c'est le Turpin de l'émission, ça. T'as dit, bah, du coup, tu peux le dire maintenant, le gardien. Oh non, mais Wenzel, on peut le redire. Bah, Wenzel. Wenzel, on peut le redire, effectivement. Martins. Non. Mais non, ça. Baticle. Mais vous aviez dit Wenzel? Mais je l'ai dit, oui. Pardon, j'avais pas entendu. Autant pour moi. Mandelavar. Autant pour moi. Est-ce que. Hein, Mandelavar. Est-ce que Mohamed avait dit Wenzel? Ah, l'écran ne marche plus, Lavar. Il l'avait dit. Il le redira non alors. Il l'avait dit, vous étiez malheureusement éliminé, c'est. Mohamed qui remporte. Question, Boisfiel, vous êtes parti de cette équipe? Non, alors je vais vous dire ce que vous n'avez pas cité. Batic, ouais, encore. Je peux savoir, là. Batic. Non. Batic n'était pas au Racing à ce moment-là, il était encore à Auxerre. Alors, en défense, nous avions Rashke. Philippe Rashke. Nous avions Régis qui composait. David Régis.
Eh oui, David Régis. Nous avions... Non, David Régis. Nous avions... Non, mais Dacour aussi. Ah, non. Nous avions un joueur qui est devenu entraîneur du Racing Club de Strasbourg, qui portait le brassard. Pouliken, bien sûr. Le milieu défensif, il fait rêver, c'était Djetou Dacour. Martin Djetou. Dacour. Voilà. Et donc le 11 de départ, Wenzel, Rashke, Régis, Leboeuf, Pouliken, Djetou, Dacour, Sauzé, Mostovoy, Keller, Zitelli. Si ça, ça ne fait pas rêver. Voilà, messieurs, dames, victoire de Mohamed, puisque cette question coûtait 3 points. Tu l'as pas annoncé, là, s'il te plaît. 3 points victoire, donc, de Mohamed ce soir. Bravo, Mohamed. Merci, merci. Moi, je suis fier. Tous les huées du public. Quelle fierté. Bon, cher Jonathan Elving, bonne soirée. Tu l'as ramassé avec la petite cuillère. C'était quoi ce cul de merde, hein. C'était quoi ce cul? Il est pas bien. Le mec, il te parle de Coupe d'Europe, c'est une blague ou quoi? C'est un sujet d'actualité, l'Europe? Bien sûr, tout le monde en parle. Qui en parle? Mais vous avez vu la une de l'équipe régionale, ça? La une de l'équipe régionale. Sur orbite? Sur orbite. Bah, sur orbite, attends, c'est sur l'orbite, tu peux encore te planter. Sur orbite pour atteindre les étoiles européennes? Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais, bien les sûr. Étoiles européennes. Ouais, bien soyons fair-play. Mais faire plus de quoi? Messieurs. Mohamed a gagné, Mohamed. Messieurs. C'est avec son téléphone, il a gagné. Non, non. Mohamed, je te souhaite une bonne soirée. Merci retour, bien. Le retour va être mieux, du coup, avec cette victoire. Ah, clairement, là, je suis. Moi, je vais m'arrêter au McDo, c'est grosse soirée. Campagne pour Reims, c'est un total, quoi. Un total. Monsieur Young, bonne soirée. Bon retour. Bonsoir à tous. Ouais, bon retour avec toi. Mais bien sûr. Maxime Brenner, merci d'être venu. À l'année prochaine. À peu près. Noël de l'année 2021. Non, on va essayer. En tout cas, ça nous avait. On fera mieux. Tu reviendras pour l'Europe. Hein. Tes analyses ont été très appréciées. J'ai c'est vu gentil. En commentaire. C'est gentil. Une merci fois. Beaucoup. Les gens apprécient tes interventions. C'est gentil. Beaucoup moins celle de Jonathan Blin. Mais on l'aime. On l'aime quand même. Connaissons. C'est faux, bien sûr. J'ai vu plein de commentaires, encore une fois, élogieux pour vous deux. C'est gentil. Mais également pour ceux qui t'en fassent. Hein. Voilà, pour pas faire de jaloux. Momo, il veut partir, là. Tu aurais bien abrégé, s'il te plaît. Voilà. Ouais. C'est le record. Merci, c'est le record officiel d'une émission pour Direct Racing. 1h35 d'émission. D'ailleurs, on va faire un 24 heures prochainement. En direct de chez Momo. De chez Momo, on va faire une émission. 24 heures. 24 heures. Voilà. C'est une bonne idée, ça. On va pas avoir de clients pendant 24 heures. C'est la question que je me posais. Je sais que c'est ça que t'as pensé. Techniquement, comment allez, ça se passe? On rappelle le magazine à retrouver un peu partout en Alsace. Alsace Sport, l'actualité du sport, c'est sur Alsace Sport, l'actualité du Racing. Sur Direct Racing, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, à bientôt. Wow. J'ai bientôt plus de voix. Très long. Plus long, mais il y avait énormément de monde. Et le gagnant du maillot. Monsieur le bling, alors ah oui, merde.